It's lit. Just take a look at the drip. You boys don't get fly than this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit. Get that little bitch a little tip. Now she wanna suck on the dick. She wanna catch all of the drip. Drip, drip. Pull up and I'm loading the clip. En plus, non? Mais ouais, mais en plus, ça fait combien de semaines on le cherche? Je sais même pas pourquoi. 15 ans? Bah, tu sais quoi, depuis que tu m'as pris ma mule et que tu me l'as jamais rendue? Quoi? Quelle mule? Mais on te l'a rendue la mule? Ouais, ouais, c'est. Non, elle est rendue cette mule? Ouais, ouais, ça a été rendue, mais. Ça date, mais ça date de cette toile-là. Tu laisses pousser la bave là? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ouais, non, c'est juste que man, tu connais là, j'étais à l'hôpital ces derniers jours, ça a poussé, hein, je me suis pas rasé entre temps. Ouais, vas-y. Ouais, ouais. Ça me va bien au final, donc j'ai gardé. Bref, ouais, du coup, Barry, je viens de voir, man, tu connais, là, c'est parce que on aurait besoin d'un petit dépannage, un petit, tu vois, une petite commande de mort. Parce qu'en ce moment, les flics, ils sont à fond sur nos culs, les flics, ils ont la dalle, et t'as eu, on sait qu'avec toi, on peut faire de bonnes affaires, donc je sais pas si t'es encore dans ce business-là, mais ça peut nous intéresser. Je peux t'avoir de quoi t'amuser, mais pas de quoi tirer. Comment ça? Ça veut dire que moi j'ai fait tourner mes usines à plein régime jusqu'à ce qu'elles soient fermées. Et là j'attends les nouvelles avec du matériel beaucoup plus sophistiqué et ça prend du temps. C'est comment ça de quoi m'amuser? Je peux te fournir des armes si tu veux, oui. Oui, ça dépend. Moi je te mens pas, là j'aurais pas forcément besoin de gros calibres dans l'immédiat si t'en as pas. Là c'est vraiment juste des Beretta, des Glock, tu vois. On aurait besoin. T'en faut combien? Écoute, je. Moi, je n'ai que des Glock à te proposer. Des Glock. Je te dis, moi, je passe une gamme au-dessus. Je dis, là, honnêtement, je passe une gamme au-dessus. Je vais pouvoir te proposer à l'avenir presque que des Glock et peut-être un Uzi. C'est tout ce que je pourrais te proposer. Ok, mais. Yo, comment ça se fait? T'as plus de quoi te fournir? Comment ça, j'ai plus de quoi me fournir? Bah, les grosses armes que tu nous avais proposées à l'ancienne. Ça, si, j'en ai encore en stock. Mais. Ah, t'as juste remarqué que ça un jour la merde où... en fait, je pense. Non, pas du tout. Il viendra juste un jour où j'en aurai plus. C'est juste que j'ai voulu en faire en quantité limitée. Ouais, je vois. Là, il y en a en circulation, il y en a qui dorment à gauche, à droite. Et des Tech 9, c'est dans tes cordes? Tech 9, attends, je confonds toujours là avec le Uzi. Non, Tech 9, non, je fais pas ça. Ok. Non, la plupart des pièces sont américaines et faut des papiers pour les avoir, c'est net pas possible. Et Glock, Uzi, tu les fais à quel prix chacun? 14 le Glock, 25 le Uzi. Après, Barry, je veux pas te mentir, de base, on avait déjà une petite commande chez vous. Tu vois ce que je veux dire, avec des munitions en attente. Je sais, du je type, sais. Ouais. Et dis-toi que depuis ce jour-là, moi, j'ai pas eu de nouveau stock. Ce genre-là, ça fait une ça semaine. Ça veut dire que moi, dans moins d'une semaine, moi-même personnellement, je tire à blanc. Ouais, là, les munitions, c'est la merde. J'ai commandé des pièces, vous dis, pour du matériel beaucoup plus sophistiqué, pour pouvoir faire beaucoup plus de munitions, 14 beaucoup plus de matériel. C'est... Et ça prend du temps. C'est juste, ça prend du temps. D'ici ce soir, demain, ça va être débloqué. Dès que c'est débloqué. Vous en faites pas, vous me connaissez pas encore, mais on pourrait croire que je suis chinois, tu vois. Je vais rester là-dessus, je vais bosser à fond, et je vous l'appelle dès que c'est prêt. Ok, là, si tout de suite... parce que là, moi, ce qui m'intéresserait, serait 4 Glock, tu vois, dans l'immédiat. Je pense que ça peut être faisable rapidement ou pas? Peut-être avoir un Glock. Comment ça? Là c'est lisible, je sais, là, mais je peux t'avoir un Glock, ouais, ce soir. Vas-y, hein, moi, ça m'intéresse toujours, mais... Dans les prochains jours, tu peux être en mesure de nous en refournir d'autres ou pas? Ouais, bien sûr. Comme je te dis, moi, dès que j'ai fini de monter mes pièces et que mon matériel il tourne, putain, je te fais ça dans la soirée. Tu le fais à combien de Glock? 14. Vas-y, bah écoute, on va t'en prendre un. Après, si tu m'en prends 10, je te fais un pli. Ah, mais là, man, moi, ce qui m'intéressait de base, c'était 4, t'as eu?
Si tu peux pas me les livrer dans l'immédiat, vaut mieux faire un par un, hein, mais bon. Là, je peux t'avoir, ouais, je peux t'avoir un Glock. Et niveau balle, ça se passe comment? Je peux t'avoir un Glock et 3 boîtes, c'est bon. Vas-y. Vas-y, on fait ça et vas-y, dans les prochains jours, je te redemanderai. Hein. Tu connais, parce que là, ils nous en font plusieurs. Je vais être honnête avec toi, honnêtement, même pas la peine de venir vers moi. Dès que moi j'ai mes trucs, je vais partir le travailler et je vous le contacterai tous. C'est-à-dire parce que c'est très bien tout le monde là, chef de munition. En ce moment, ça se fait là, l'Anvil, ça a beaucoup tiré dernièrement. On a remarqué, hein, mais tu connais, nous, au contraire, hein, on essaye de calmer les choses, mais. Ah, c'est les flics, hein. Les flics en ce moment, ils sont aux aguets. Le SWAT qui est sorti là, c'est la merde un peu. Ouais. Y a toujours ce code rouge là? Ouais, hein. Je pense pas que ça a été enlevé à ma connaissance. Vas-y. Vas-y, bah limite, dis-moi quand ils ont fait leur putain de descente chez toi. Ouais. Ouais, de toute façon, bah là, d'ici 15-20 minutes, nous on est good là, on est open. Vraiment, nous si possible, on aimerait l'avoir le plus vite, hein. Je te mens pas, man, là en ce moment, c'est crève ou. Crève ou survivre, hein. Enfin, je sais pas, j'ai pas d'expression, mais t'as capté là, c'est vraiment assez chaud. Vas-y. Passe quand même cette petite descente. Ouais, t'inquiète. Moi de mon côté, je suis à la suivre. Et après, je te l'amène ça chez toi. Vas-y, ça roule, Barry. Vas-y bah, je te rappelle tout à l'heure. Vas-y, à plus tard. Ça va, c'est à côté du maire. Ah ouais, tu quelqu'un de connu, non? Si. Non, du tout. Quand on fait la moto, qu'est-ce que tu veux? Bah, ça va et toi? Je connais pas ton nom. Tu peux choisir deux personnes avec toi, s'il te plaît, et vous allez venir avec nous dans la voiture. Je chope encore des gens vers le bras. Parce qu'on veut vous parler. Smoke Dog et Stain. Smoke Dog et Stain, je sais pas qui c'est prénom de. Stain, il est derrière toi, là, il est sur la moto et Smoke Dog, il est au fond. Très bien, d'accord, bah, invite-les, s'il te plaît, à venir, dites-le. Vous inquiétez pas, j'assurerai sur la vie du drapeau. Toi qui est avec tes collègues là, apparemment. Ah, c'est celui qui m'a tapé. Bah, ça peut pas être lui, il va aller en prison. C'est pas lui, t'as pas tapé. C'est un mec avec un durac blanc. Attends, je peux l'appeler? Oui, appelle-le. C'est bien, très bien, merci, monsieur le agent Lexi et moi allons nous occuper du reste. Enfin, 74 et moi, allons nous occuper du reste. Oui, avec les autres membres de la DCD. Il est où, mon coin? Il est où, ouais, les gars? Allez chercher Smoke Dog là-bas, s'il vous plaît. Non, il s'est fait arrêter. Il s'est fait arrêter pour qui? Ah, mais il est là, Smoke Dog, il est là. Allô? Yo, faites pas de mal à mon gars. Que les menottés. Non, Smoke, s'il vous plaît. Y'a quoi, Smoke? Smoke Dog, il va venir avec moi et l'agent avec le t-shirt en or. Non, l'agent avec le t-shirt en or, vous prenez le. Les gars. Lâchez mon tir. Celui qui est en vert. Celui qui est en vert, là. Vous embarquez. Voilà. Venez avec nous. Stain, viens avec nous. Venez aussi. Stain, viens. C'est bon les gars, restez au quartier, ça va bien se passer, restez au checks. Viens là, le celui en vert, viens là, je vais te retirer les pinces là. Il a fait une responsable légal. Celui qui est en vert, là, je te retire les pinces, viens ici, bouge pas. C'est moi ton père qui te. Comment ça, t'es pas son père toi que tu racontes? Attends, bouge pas, je vais te relever les pinces. Allez, montez, mon père. Vas-y, je me mets en arrière, attends. C'est bon, fais ton. Vas-y, montez. Papa. Et on circule s'il vous plaît, finalement ça va être que je suis chez moi ici, je circule pas. Ouais, chez moi ici. Stain, reste au check, gère les petits s'il te plaît là. Ouais, gère les petits Stain. Cassez-vous. Vas-y, Smoke Bogdanov. Vas-y, les Jizz. Smoke Bogdanov. C'est bon, on a tout le monde. Il veut quoi, Pac-Pac? Il manque des agents. Ding. Tu m'as mis un coup d'épaule, vraiment. Comme dans les films. Allez, on laisse les sauvages tranquillement. Où est-ce qu'il faut? Je crois que j'ai une photo. Le bâtard, moi. Autour de l'unité au niveau de merci, Johnson, tu peux dire à la dame. Voilà, bien fait, mérité, petit bâtard, reste au sol. Montez s'il vous plaît, monsieur. Mets de couilles qui vient de tomber. Merde. Nickel. Attends, mais du coup, celui qui est avec le taser, tu peux vraiment des lobes à faire des descentes pour eux. T'es moi, t'as même ramené un blindé, il est arrivé, je suis déjà embarqué. Oh, c'est bon, est-ce qu'on a perquisitionné quand même? Bon. Pourquoi y'a un blindé là qui vient? On le ramène au poste, on lui fait une procédure, monsieur le maire. Mais on ne les arrête pas, on va marchander avec eux. Donc les agents de la MCD. Par contre attends Jeff, on a passé un marché là, tu dois bouger les unités de mon quartier là, pourquoi y'a encore des mecs? Tiens, s'il te plaît l'agent de police, l'officier, tu peux remonter avec eux. Remonte avec eux, celui qui est avec la cassette. Moi? Ouais, monte avec eux s'il te plaît. Retourne en patrouille. On reste entre MCD. Mais si vous avez pas peur de glisser là à ma gauche là.
Non, ça va. Hein. Non, ils sont musclés des bras et au moins. Sauf si tu ouvres la porte sur moi, je risque pas de tomber. Je te jure, je suis musclé des bras. Du coup, 04 pour 13, on pourrait repartir en patrouille. Merci beaucoup pour votre soutien. Eh ben, va falloir vraiment arrêter de dire que je suis raciste, Scotty. C'est ouais, vraiment. Arrête, t'es raciste, tu le sais très bien et tout le monde le sait ici. Il y a déjà des manifestations pour ça. Prouve-le. Prouve-le, bah tu me dis tout le temps que je suis un immigré, que je suis avec ma. Mais immigré, c'est pas une insulte raciste. Si, c'est une insulte raciste. Ah, mais absolument pas. Le halal. Ça veut dire quoi tu sais pourquoi t'as interdit les gens de faire le ramadan. Yo, t'es carrément raciste. Non, ça j'en ai parlé au conseil municipal, ils m'ont dit que non. Parce que je n'ai absolument et l'Amérique rien. Aux Américains, c'est quoi ça, cette phrase là? Bah l'Amérique aux Américains. L'Amérique aux Espagnols. Tu nous parles de tribus, yo, tu crois qu'on est au Moyen-Âge ou quoi? Ouais, mais c'est comme ça que je vous définis, je sais pas, vous venir comme gangster. Flazou, tu commences à parler comme OG pour être plus stylé. Je suis un connard, si vous voulez, de votre point de vue. Mais ouais, du point de vue de l'Amérique, connard, je suis un sauveur. Je suis le sauveur. T'es pas un sauveur, man. T'es pas un sauveur. Personne n'a voté pour toi. Je sais même pas comment t'es arrivé là. C'est encore une histoire de thunes, j'en suis sûr. Bon, Scotty, maintenant... il va falloir que tu commences à te concentrer, à prendre des décisions. Pour toi et ton avenir. Putain, et ta mère. On est dans la merde avec tous les groupes, frère. Même le LCPD, je vais crier. On a tout le serveur sur le dos. J'aime la bière, mais j'aime la saucisse. J'aime la bière, mais j'aime la saucisse. Eh là, c'est là où il y a le bateau, là. C'est pas ici le gouvernement. Je t'ai dit, on va monter dans un bateau, mais je vais pas t'embarquer à Alderney ou quoi que ce soit, ne t'inquiète pas. On va monter dans ce petit bateau là-bas, là. Tu vas pas m'embarquer à Alderney, mais à Kingston. Ni à Kingston. T'as la voix cassée. T'as un peu trop fait la fête. Vous êtes partis en boîte de nuit, c'est ça? Pas du tout, j'ai pas fait la fête, je suis juste blessé depuis quelques jours. Allez, on descend les deux, là. Tu crois qu'on a le temps de faire la fête ici, man? Ouais, je sais pas, vous avez le temps de fumer du hashish toute la journée. Je dois tenir le gros bateau. Toi, t'as le temps de manger des escalopes et des cordons bleus. Je peux sauter, s'il te plaît, Smoke Dog. Oh ah. Yo, Jeff, tu m'as balayé. Yo, je vous jure, Jeff vient de me balayer. Eh, vous êtes sérieux, les flics, la bavure. Tu arrêtes de faire la victime, s'il te plaît. Yo, mais man, tu me balayes, les flics, ça va, ça va. De corrompu, t'arrêtes pour des raisons que j'invente. Et là, tu vois, tu es bien dans la merde, tu es bien le meilleur connard, tu vois. T'es bien connard, ouais, ça c'est clair. Oh là là, va falloir arrêter d'être frustré quand les choses ne vous plaisent pas. Allez, ah bah bien sûr que les choses ne nous plaisent pas, on nous fait bouger de là où on a grandi, où on a tout donné. Oh là, vous avez grandi, vous avez donné quoi pour l'Amérique? Man, je paye mes impôts, je donne grave de l'argent pour ton pays. MCD off radio. Oui, je veux bien que vous le conduisez, s'il vous plaît. Amenez-le un petit peu en centre de mer. C'est pas le moment. Ah ouais, ouais. Ouais, mais t'as vu, je suis parti à Kingston au moins, j'ai un. On va où là? Ouais. J'espère que Liberty vous a plu, messieurs. Hein. Oh putain, j'ai mal de mer. Tu te fous de ma gueule? C'est une blague ou quoi? Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi vous êtes ici. Vous allez devoir servir en tant qu'Américain, faire une mission citoyenne. Comme ça, peut-être que je te donnerai une carte de séjour, Scotty, et tu serais éligible à rester ici. Hey! C'est quoi ta mission là? Qu'est-ce que tu veux? Oh. Arrête de conduire sur les rochers, c'est mon stop toi s'il te plaît. Tu veux qu'on fasse ça là? Oui, c'est bon. Ça va être. Venez, nous allons descendre en bas. Je t'ai à l'eau, fils. Non, absolument pas. Absolument. Je vais nous noyer. Je vais pas vous assassiner quand même. Fait quoi, là? J'ai une tête de connard. Non, bon. Tu nous fais une Titanic ou quoi alors? Mais c'est... Ça va nager, messieurs, j'espère. Quoi? Est-ce que vous savez nager? Pas très bien. Ah, je pense que non. Parce qu'il n'y a pas de bouée, c'est au cas où il y a un problème. C'est au cas où, ouais, c'était juste pour savoir. Non, ça va, j'ai nagé moi. Vraiment, j'ai nagé, mais vite fait. Hein. Vous avez de la chance d'être okay, deux. Okay. Je vous explique le but de votre mission citoyenne pour cette si belle ville qui a besoin énormément de retouches. Vous allez devoir tester un gaz. Un gaz? Oui. Sachez que votre vie est en péril lorsque vous le testerez. Quoi? Mais Scotty, bon. Vu que toi, tu ne m'as pas agressé comme la personne munie de verre appelée Smoke Dog, je vais t'épargner cette mission. Mais je vais te demander l'autorisation, même si je n'en ai absolument pas besoin, pour la faire sur ton gars Smoke Dog. Cette expérience. Yo, c'est soit on meurt à deux, soit on meurt pas. Comment ça se passe? Vraiment, on fera trois à deux. Si on est venu à deux, on fera trois à deux, je te le dis. Donc, en tant que mission citoyenne, vous vous sentez prêt à tester ce gaz? C'est quoi? Attends, mais dis-moi plus là, c'est quoi? Faut faire quoi? C'est quoi, ce gaz-là là, que j'ai là. C'est de la lacrymo ça? Non, c'est pas de la lacrymo, non. Tu veux nous gazer en fait? Ouais. Non, c'est pas un gaz qui va vous buter. Mais c'est un gaz que je dois tester sur l'humain avant de le tester sur les écuries. Quoi?
C'est un gaz pour tuer les écureuils. Oui, le gaz kéké. Donc, Scotty, maintenant, si tu acceptes de coopérer avec moi, je t'offre une carte de séjour d'une semaine. D'un mois. Tu seras tranquille, t'entendras plus parler de moi. Mais je compte sur toi pour te marier, du coup, avec la petite Kylie. Ouais. Kylie Dupont ? Écoute, attends, je vous laisse parler entre vous deux. Ouais. Yo, si ça tue des écureuils, ça va nous tuer, nous. Je vous laisse parler entre vous. Voilà. C'est quoi cette histoire là? Comment ça des tests sur nous? Je sais pas, mais c'est un ouf lui. Il fait des tests sur nous en mode on est des chiens de laboratoire. C'est dinguerie ça. On fait comment là? Faut esquiver là. Faut... J'ai mis de la morphine. Pourquoi BK il m'appelle? Il m'a tué il y a 3 jours. Je suis mort. Travaillant dans l'université du Michigan qui me l'a fait. Je sais pas ce qu'on va faire. Sinon, on chope un 13 et on lui ramène un mec pour tester le gaz, non? On laisse le temps de se réfléchir. Moi, je savais pas qu'ils avaient la capacité de réfléchir autant. Je pense pas. Ils sont en train de mijoter. Pas s'ils vont nous laisser, hein. Je peux pas mentir. Le temps de réflexion est terminé, messieurs. J'espère que vous êtes prêts à faire avancer la science. Allez, hop. Jeff, j'ai quelque chose à te proposer. Oui, dis-moi. Dis-moi donc. Écoute, je te mens pas, man, le faire tester sur nous, c'est trop risqué, yo, on peut mourir. Imagine, je meurs, man, mon quartier, il va partir en couille, t'as vu? Les tu vois, je tiens les laisses, on va dire. Et... Oui. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on te ramène un témoin, un mec, on va te ramener un mec et tu le testes sur lui. Mais pourquoi pas le tester sur SmackDog? Parce que SmackDog, c'est mon ref, on peut pas, man, s'il meurt, je suis... Ouais, non, ça... Ça marche pas, moi j'ai les papiers, moi. Moi j'ai les papiers. J'aurai le consentement de cette personne. Quoi? J'aurai le consentement de cette personne. Bien sûr. Ah ouais. Bon? T'auras le nôtre. Le consentement de cette personne, moi je veux. Oui, vous l'aurez. Vous êtes sûr? Sûr. Ouais, sûr. Bien. Prouvez-moi donc que je peux vous faire confiance. Et que vous n'allez pas essayer de me tripoter la bite quand j'aurai le dos tourné. Quoi? Bah pas du tout. C'est une expression. Ah. Mais moi je préférais que tout ça se passe sans les flics, tu vois, c'est un peu humiliant pour la personne qui va peut-être mourir. Écoutez messieurs les agents, vous entendez ce qu'ils disent, ils s'engagent du coup à me trouver une personne consentante. Moi je propose qu'on fasse signer un truc quand même. Oui. Vous pensez qu'il faut faire signer, c'est ça? 0-1 pour ça. Non, c'est pas utile, ouais. Monsieur. Bah si, comme ça, parce que nous on vous fait confiance, vous voyez, mais si vous nous baisez, si vous avez signé un truc, au moins là on est sûr que. Mais on va pas vous baiser, il veut les papiers, il va pas vous baiser. J'ai juste pas envie de mourir, tu vois. Si j'ai là, il me dit ouais, je donne les papiers et qu'au final je suis mort, bah au final, tu vois. Ça aurait servi à quoi? Attendez, mais pourquoi vous partez dans l'optique que vous allez mourir? Allez savoir, peut-être ce gaz va vous détruire. Mais man, il a fait ce gaz. Il a fait ce gaz pour tuer des écureuils, tu crois moi ça va pas me tuer? On a pas le même ADN. Des animaux, alors peut-être c'est pas trop le même ADN, à moins que tu bouffes des Non mais c'est pas le... Mais tu crois que je connais moi, man, j'aime pas compter tous mes doigts. Bon bah alors Yo, moi je veux juste pas mourir, c'est tout, je veux pas tester un truc qui... Je suis pas un chien de laboratoire, yo. Très bien, si t'es pas consentant, voilà. Mais si j'ai pas cette personne sous 24 heures, disons, tu peux oublier l'eau sur Northwood, hein. Je ne continuerai pas la quête. La quête du Watergate, comme tu dis. Ok, vas-y, on fait ça. Bien. Bon, et bah les gars, on vous laisse rentrer à la nage. Quoi? Oui, mais non, on rigole. Mais non, les ramène là. Tu sais, Scotty, je te le gifle, là, tu vois là. Tu m'aurais laissé gérer ta mère. Quoi? Quoi? Yo, en fait, je comprends pas, Jeff, c'est mort. Ma mère, elle veut pas toi, c'est même pas moi, je lui ai dit non. C'est elle veut pas. On est parti au restaurant ensemble, quand même. Quoi? Vous êtes allés où ensemble? T'as pécho ta Grace? Quoi? T'as arraché, toi? Je suis le maire, j'ai tous les droits. T'as aucun droit, man. T'as pas le droit de draguer ma mère. Abstiens-toi de terme avec moi, comme ça, sinon tu vas t'en repentir. J'ai pas compris un seul mot de la phrase, yo. Qu'est-ce que tu racontes? En gros, continue à mal me parler, je te baise. Yo, mais comment tu parles, toi, ta petite gueule de bâtard là qui a grandi avec une cuillère en argent dans la bouche? Yo, toi, absolument, t'es au courant pas. Quand un vient à la bagarre, je te nique ta mère, Jeff. Arrête de faire le malin. Tu n'as aucun gabarit, tu n'as pas d'abdominaux. J'ai pas d'abdominaux, moi.
Monte ça, moi. Pitié, tombez pas, poil. Dis-lui que je suis ton daddy chocolat, dis-lui. Hein? Ouais, ça va faire plaisir à tonton, ça, tiens. Tonton. On veut me pécho, c'est grave. Tonton. Pécho. Oui, allô. Hein? Non. Tonton, il t'a pécho. C'est qui, tonton? Non. Personne ne m'a pécho. Ah oui. Non, personne ne l'a pécho. Oui, non, oui, non, oui. Non, est-ce que je me suis trompé à la mairie? Je vais vous dire ce que j'avais pensé. Ouais, je me suis trompé, ouais. C'est fou. Oh, la belle vue. Regardez la belle vue qu'on a. Avec tout le monde, c'était. Bah, venez. Ah, regarde, elle est belle la vue sur un pays de racistes. Eh non, faut pas dire ça. Pays de racistes, que tu te dis à tout moment, prépare tes bagages. Hein. Racistes, mais vous êtes bien content quand vous êtes ici. Prépare ton cercueil, espèce de bâtard. Bon, les menaces de mort, je les écoute même plus. Vous, par contre, vous avez osé me taper. Ouais, je t'ai tapé, ouais. Pourquoi? Excusez-vous. Jetez-le-moi à la mer, s'il vous plaît, celui-là. Ah. Non, mais on va pas le jeter à la mer. Comment ça, je c'est moi qui le jette à la mer. C'est un ordre, s'il vous plaît, jetez-le-moi à la mer. Tu préfères être arrêté au poste ou être jeté à la mer? Un des deux, je crois. Je vais hop, j'enlève ma chaussure dans ta mer, fils de pute. Cours. Cavale. Hey. Cavale. Aïe. Tu cavales. Oh la D. Oh la Big D. En vrai, ce qui serait stylé, c'est de ramener un 13 et qu'il se fasse mort RP sur ça. Hein. Enfin, tu vois, si vu qu'on. À toi. Oh à toi, petit con. Oui. Oh, je l'avais grave pas vu. Oh non, je l'avais pas vu. Eh, hey, mais lui, ça me dit un truc, lui. Sa voix. On le connaît, non? C'est pas. Il essaie de me frapper, là, ce bâtard. Regarde bien. Regarde bien ce que je vais lui faire. Allez, arrête-toi, sors de l'eau. Yo, on passe. Moi, je sors de l'eau. Mais oh non. Oui. Oh non. Regarde bien. Tu bats. Tiens, c'est quoi, va. Tiens, espèce d'enculé de flic, yo. Bande de bâtard, fais des descentes chez nous. Tu te putes, va. Nique ta mère, bâtard. Oh, le RV, il est incroyable. Ça va ou quoi, Zampa? Merci pour ton avec moi. Ça va, mon frère, en ce moment? Ça va mieux ou pas? Cavale. Oh, la D. On s'est mis dans une merde, parce qu'en plus, si on n'arrive pas à choper un 13 d'ici 24 heures, là, c'est la D. Hein. Pourquoi il parle comme Cube? Ben, je parle pas comme Cube, là, je parle comme d'habitude. Eh, j'ai juré Smoke, c'est gratuit. Là, il m'a dit quoi? Eh, Smoke, t'es pas chaud, tu t'occupes de ça. Il m'a dit, là, je suis devant la tombe de ton grand frère. BK. Là, tu prends Stein avec toi, vous vous armez. Et au pire, attends, je vais chercher des armes. Je vais chercher les armes de trucs. Vous y allez. Et dans tous les cas, au moins, si c'est un guet-apens, ils mourront pas moi, hein, tu veux, je te dise quoi. Ouais, Bastien, il m'a braqué tout ça, là, je connais. Bah non, mais... Ah. Moi, j'ai mal à la main. Ah ouais, c'est vrai, t'es blessé, ouais. Non, mais t'inquiète, ça va faire le taf. Si les... La vie de ma mère, c'est les rapides. Non, t'es pas sûr, on envoie André, des trucs comme ça, là, des mecs bien... pas cons. Bah, vous savez, envoie André et tout en voiture. Regarde les... Non mais tu sais quoi, là je les rejoins, je leur donne la moto et je leur dis de venir ici. Vas-y. Ouais. Ils viennent... Charge Island. Qui? Ah, truc de crocodile. Non, Charge Island, tu vas... Mais non, mais ils vont te voir sinon au cimetière. Va, tête de crocodile, c'est le mieux. De crocodile. En haut à gauche de Charge Island, là, ça, t'as vu, c'est une bouche de crocodile. Ah, vas-y. Ouais. Allô? Eh, la pause, elle est. Je pourrais t'expliquer. Ouais, il est banard, mais Smoke Dog. T'as vu. Comment s'appelle ici le bar? Cranberry.
Ouais, le cranberry. T'as vu à droite, il y a deux petits, t'as vu des petits carrés rouges. Ouais. Et ben, le pont. En dessous du pont, genre en mode. Le pont, ouais. Vas-y, vas-y, bah, j'arrive. Vas-y. Vas-y. En gros, il est banard, mais... Parce que vous vous souvenez quand ils m'ont mort RP? Vous souvenez quand les Crips, ils ont voulu mort RP? Bah, ils sont allés le soir même, ils sont allés se... Drive-by le quartier des Crips, du coup, c'est du revenge instant. Je les ai enculés, hein. Je jure, j'ai everyone Discord, j'ai dit niquez vos grands-mères, bande de fils de pute. Ouais, c'est bon, vous l'avez déposé ou pas? On l'a déposé, on est sous le cimetière, là. Quoi? Bah, on regardait la pose du cimetière, c'est tout. Ah ouais, ouais, ok. Est-ce que vous pouvez vous mettre sur le pont au-dessus du cimetière et me dire s'il y a vraiment BK? On est au-dessus. Apparemment, il est devant la tombe de Malcolm, dites-moi si c'est vrai. Ouais, je le vois. Attends, c'est lui là. Jure la vie de ta mère. Attends, il y a un gars, mais je sais pas si c'est lui. Bah, s'il y a un gars devant une tombe, c'est que c'est lui. Hein. Il m'a dit, je t'attends. Attends, ouais. C'est quoi, j'arrive. C'est pas Smoke ça? Non, non. Attends, mais c'est Smoke, non? Elle est devant là. Ouh. Non mais Smoke c'est impossible, il a pas d'armes. Une veste noire. Je sais pas, il a l'air blanc, on dirait pas un Renoir. Ouh, attends, je suis devant vous là. Ouais, bah je suis devant là à l'entrée là. Ah ouais, mais en plus elle est pas du tout là la tombe de Malcolm. Ils sont trois. Ouais, non, je pense pas que c'est lui. Hein. Ils sont trois. Attends, je raccroche. Passer l'éternité en enfer. Non mais les gars, descendez, wesh. Vos grands-mères, descendez, allez dans le véhicule, faites rien. Il faut la K. Non, mais t'as vu ça à côté du comico en fait. T'as vu cette. On sort la K, imagine y'en a un, y'a un fils d'un qui tire. Mais bah les couilles, bah les couilles. Je sais pas quoi. Bah les couilles, tu vas. T'inquiète, t'auras des shooters avec toi. Vas-y, de toute façon, je te rappelle, je m'occupe de ça. Vas-y. Y'a le boss métallique, les gars. Yo les gars, tranquille ou quoi? Je vous demandais de vous voyez le boss métallique. Ça dit quoi, vos grosses dents? On est là, hein. Hop. Ah là là les gars, bon malheureusement, vous savez très bien ce qui se passe entre nos deux sets, hein. La rivalité perpétuelle, la rue comme on dit, hein. La rue comme on dit, ce qui s'est passé, c'est vrai. Il y a eu des petits imprévus, vous étiez venu de base essayer de calmer les tensions. Maintenant il s'est passé des manques de respect envers mon gars Zaza qui... C'est ça non, vous êtes fini à vous tirer dessus avec Neto. Je vais pas te mentir ou quoi que ce soit, je suis pas au courant de ton gars Zaza ou je sais pas trop quoi, j'étais pas là ce soir. Mais les derniers jours là, vous avez pas entendu Neto parler du fait qu'il s'est fait tirer dessus? Ouais, moi j'étais là moi. C'était quoi l'embrouille là? En gros ils se sont embrouillés, ils ont fini par se tirer dessus. C'est en train de s'embrouiller, le problème c'est que ton collègue Zaza, comme il avait un peu le sang chaud, il a tiré direct dans le dos quoi. Non, défends pas. Attends, tu veux dire ce qui s'est passé? Je m'en fous. Je vous écoute pas, j'ai pas d'oreille, je m'en fous. Je veux juste savoir leur version, je connais votre version, je l'ai entendu mille fois. Maintenant, la vérité c'est que voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, et c'est la raison pour laquelle vous... C'est la raison pour laquelle vous êtes sur nos côtes là actuellement, c'est ça? Non, je me trompe pas. Franchement, je peux pas sur vos côtes, toi. Bah là, on est passé il y a 5 minutes, il y avait un Rebla rouge, j'ai essayé de le taper, non? Hein? Alors, voilà, on était sur le bas-côté. Non, ils étaient pas dedans, mais bon. En gros, je t'explique, là, on a vu un Rebla gris, je crois, de chez vous. Après, peut-être c'était des Haïti, non, j'en sais rien. Non, c'était eux, ils nous ont parlé. C'était les 13. Ils ont essayé de taper le Rebla. Mais bref, de toute façon, je m'en fous. Juste, en gros, les gars, simple. Comment ça fait les grosses couilles? Il s'est passé ce qui s'est passé, on réglera l'histoire avec Neto. Mais malheureusement, les gars, vous avez tué un mec de chez moi, tu vois. Et même si on pourrait croire que tu m'en tues un, je t'en tue un, tu m'en tues un, je t'en retue un, c'est le chat qui se mord la queue, on est bien d'accord. Du coup, ce soir, les gars, on va servir nos intérêts personnels, évidemment, parce que moi, j'ai besoin de l'un de vous deux. Et je vous mens pas qu'il risque certainement d'y en avoir un de vous deux qui va y passer, les gars. Parce que moi, mon gamin aussi, il est mort. Et j'arrive toujours pas à accepter qu'un petit mec comme ça de 17 ans, vous ayez
le culot de lui mettre une balle entre les deux jambes alors qu'il a rien vécu dans sa putain de vie, tu vois. Ça me et fait mal au cœur. Vu que j'ai 17 piges, tu vas m'abattre aussi ou pas? T'as 17 piges? Ouais. Bah voilà, on va mettre ton collègue pour la peine. Bah, on prend lui. Comme ça fait le bon âge. Non, non, vous savez quoi? Moi, t'as vu, j'ai du respect, mine de rien. Je sais que vous êtes des. Je sais que vous êtes. Même si vous êtes dirigé par un chef qui est peut-être parfois con. Mais je vais pas te mentir, man. Je vais vous laisser choisir, j'ai du respect. Il y en a un de vous deux qui va rester avec moi. Et l'autre, bah écoute, il va se faire relâcher, il aura le temps de faire ce qu'il a à faire. Hein. C'est bon. Ouais. Vas-y, ben. Ouais, moi je me dévoue. Discutez entre vous deux. Non, c'est déjà tout vu, je me dévoue. T'es d'accord, toi? Avec tes lunettes. Il a pas le choix, de toute façon. Comment ça, t'as pas le choix? Ça y est. Attends, mais ils s'appellent comment les deux? C'est Ezekiel, et toi c'est quoi ton nom avec ton chapeau? Ouais. Ah, en vrai j'ai vraiment l'aime parce qu'on a chopé les deux mecs les moins cons de chez eux. Ah ouais? Ah ouais, vraiment. Ouais, c'est des bons eux. Ouais ouais, enfin, même si je les aime pas, mais c'est les moins cons. Celui qui va l'attraper c'était Aguilar ou l'autre. Après cette si... Après les gars, c'est la vie, hein, vous voulez que je vous dise quoi? Non, on fera pas d'échange, on va vous abattre. On a assez joué les gars, on s'est assez amusé, y a plus de sourire là, y a plus de... Ouais mais après cette, sans te manquer de respect par rapport au fait que t'es un grand etc. Regarde, tu vas abattre un de nous deux, Neto il va en abattre encore un, etc. C'est ça, en fait juste les gars, c'est quoi déjà ton nom? C'est Ropa? Ouais. Ropa, tu vois. Ta mort, si elle survient, il faut que juste que Neto le prenne comme la balle est au centre. Chez moi c'est mort, toi t'es mort, un partout. Est-ce qu'on continue à faire couler du sang? Tu vois ce que je veux dire? Moi je peux pas me laisser faire comme ça. Je peux pas me laisser faire. Il y a un gars de chez moi qui est mort, il faut que vous en payez les conséquences. Là vrai avec ce qui s'est passé avec les embrouilles dernières, effectivement, ça met de l'huile sur le feu. Mais s'il y a une manière de calmer les choses, c'est comme ça. On verra bien, moi j'espère en tout cas que tu vas pas mourir pour rien, tu vois ce que je veux dire, Ropa. Même si toi je sais que là quand tu vas mourir, tu vas avoir qu'une envie, c'est que tes gars ils se vengent. Mais le problème c'est que si tes gars ils se vengent, bah moi je vais encore me venger, et ça va être tout le temps la même chose, tu vois. Donc bref, de toute façon tu vas vite comprendre ce qui va se passer, Ropa. Je suis pas en mode je vais te mettre contre un mur, je vais tirer dessus comme un trou de balle. Derrière tout ça il y a du business, Ropa, t'as capté? Donc on va aller régler ça. De toute façon, okay. T'en parles avec le concerné. Hein. De toute façon, c'est pas avec moi qu'il faut que tu négocies. Hein. Bon, carrément. Ezekiel, ouais. C'est tout vu. Tu laisses ton gars y aller. J'ai pas envie, mais bon. Ouais, c'est une question. En gros, quand je te dis tu laisses ton gars y aller, je sais très bien que t'as pas envie, mais t'as capté. Hein. Il faut faire un choix. Dans ce cas, tu t'avais pas le choix, ton gars. On va pas s'arranger autrement qu'obligatoirement que t'en cannes un de nous deux là. Ah, on a beaucoup essayé de discuter, hein, tu sais, Ezekiel, au bout d'un moment, il y a que le sang qui marche. Hein. Oh, je pense pas, non. Ah, malheureusement. Pas quand t'es au pied du mur. Je suis pas au pied du mur, c'est ça. Dans la non, je parle, non, mais je parle pas. Non, t'aurais pas attrapé, dégage-toi, il nous aurait attrapé, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais après. C'est Ken en premier, man. Après, je pense que si vous aurez attrapé, là. Dans tous les cas, moi, je vous le dis. C'est de stopper, hein. Envoyez le plus malin de vous deux. Parce que je te le dis, si tu arrives à avoir les cartes en main pour survivre, peut-être. Mais moi, je te le dis, moi, j'ai aucune peine. À partir d'aujourd'hui, là, j'ai qu'une envie, c'est de me venger, les gars. Moi, le gars, il a grandi toute ma vie dans mon quartier. Je lui ai changé ses couilles, je lui ai tout fait. Je comprends là, quand j'y repense, tu vois, j'ai le poing serré, j'ai envie de vous arracher les yeux. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Donc. Là, ce que tu t'apprêtes à faire, c'est de fumer le neveu de Neto, du coup. Et là, je pense que là, pour le coup, il va vraiment avoir les glandes. T'es le neveu de Neto, toi? Moi, je pense, tu vois, je vais te donner mon point de vue. Si vous aurez attrapé aujourd'hui, il aurait été le premier à demander une paix, une trêve. Non. Vous êtes pas sur notre île, y a pas de... Mon gars vient de merder. Et moi-même, je l'ai remis droit sur les bons rails du chemin. Il vient de tirer sur un chef, c'est un petit. Tu croyais vraiment qu'ils auraient chopé un mec? Ils auraient dit ouais au calme, y'a rien, venez en arrière. Je te garantis, c'est le feu là pour le moment. Vraiment, crois-moi, vraiment. Ils veulent cesser le feu avec vous. Crois-moi ou non. Dans tous les cas, je vais regarder un de vous deux. Et on va discuter s'il y a besoin. Dans tous les cas, moi ce que j'ai à vous dire c'est que je vais prendre celui qui se dévoue. Je vous laisse quelques minutes encore pour réfléchir. Mais c'est qui le neveu de Neto de vous deux là? C'est bon. Vas-y, les autres venez là, juste Sharp, Zaza et Stein, restez avec eux. Ça
Non, Stein vient. Stein vient et Trippy reste avec eux. Ok. J'ai fait le bois là. Bon, je vous explique. Venez, venez, venez tous. En gros, là, ce qui va se passer. Pourquoi il y a Dookie là-bas? Dookie! Dookie, il est là. C'est qui avec son manteau là? André? Chez Hap, c'est qui? Ouais, ouais, ton gros pull. André, ouais, ouais, ouais. Viens, viens. Mais il est pris là, non? C'est Barim là. Je vous explique, je vous explique. En gros, là, il y a les Crips qui m'appellent depuis tout à l'heure parce qu'ils veulent me voir. Ils veulent. Attends. Ouais, ils veulent. Attends. Ouais, j'ai le même truc, vas-y. Ah. Ok, c'est bon. C'est bon. Donc en gros, il y a les Crips qui m'appellent depuis tout à l'heure. Il y a BK qui veut me voir tout seul devant la tombe de Malcolm. Sauf qu'on est allé guetter 10 secondes. Y a, forcément, il y a 4 Crips devant la tombe et certainement 4 Crips armés. Ce qu'on voulait faire, c'est que moi, vu que je pensais que BK était tout seul et qu'il arrivait en jet ski, je lui envoyais la pause. Ok, parfait. Vu que je pensais que BK allait venir tout seul, je me suis dit, on prend un jet ski à deux. On arrive derrière l'île. Vu qu'il n'y a qu'une seule entrée, on arrive derrière l'île. Et on le braque. Ils sont 4, donc là ce que vous allez faire, c'est simple. C'est qu'on va mettre 2 mecs armés sur le jet ski. Donc je sais pas qui. Nous on a déjà 4 armes, si tu veux qu'on y aille, vas-y. Ouais, mais là moi j'ai besoin d'une arme. Vas-y, Billy, moi non. Je conduis, Billy, je vais avec toi. Moi et Ducky. Au pire, attendez, filez-moi un couteau. Moi je vais garder un couteau pour les 13. Tiens. Okay. File-moi un couteau, s'il te plaît. Il a une hache aussi, Trippy, si tu veux prendre sa hache. Je crois que je suis un vic. Les gars, envoyez les. Il est où le plan? Bah, t'as là-bas. Là, je vous explique. Smoke Dog, il va vous expliquer le plan. C'est simple. C'est terrible. Il y a une voiture. Non, même il y a deux voitures. Parce que là, vous pouvez faire deux voitures. Il y a deux mecs sur le jet ski qui vont avoir AK et pompe. Vous allez arriver derrière. De toute façon, Smoke, il va vous expliquer. Vous arrivez derrière le cimetière. Vous restez au téléphone avec le conducteur de la voiture. Les voitures, vous vous postichez vers. Tu sais, proche du commissariat. Et. Attends. Tu les expliques ou pas parce que... Ouais, tu vas leur expliquer juste, je vous explique en vif et Smoke Dog il va vous expliquer en détail. Vous allez être à deux voitures proches du commissariat, planquées. Le jet ski va arriver. Quand le jet ski il vous dit go, vous allez dans le cimetière, vous braquez les Crips dans le dos et le jet ski va braquer devant. Vous avez capté, donc comme ça vous les entourez, vous me chopez les 4 Crips et après on s'en occupe. C'est bon. Bon, ça là, moi je m'occupe des 13. Là, ce que vous faites, c'est que. Tu montes avec toi, Billy? Mais gars, il y en a deux, regardez le jet ski de là-bas. Ouais. C'est, tu veux te parler vite fait. Il faut deux personnes armées, les gars. Ouais, ouais. Ça veut dire en fait. Les moi, j'ai. Attends, je suis un fils. Attends. Allô. Allô. C'est qui chez toi? T'as déjà une arme? Ace. Pose pas de questions, gros bâtard. Ouais. Pose pas de questions. Ace. C'est pas un truc vers chez toi qu'il y a deux camions du SWAT là? Avec des mecs qui font le tour? Non, pas du tout. Pourquoi? Je suis pas du tout chez moi là. Bah, y'a le SWAT chez toi alors. Putain, les fils de pute. Vas-y, ça va. Enregistre mon nouveau numéro et vas-y, tu restes. Pas parle-en à personne pour l'instant. Ok, vas-y, ça marche. Vas-y, je te tiens au courant. Vas-y. Ah, il veut pas parler. Il y a pas c'est pour ça. Ah merde. Ça. J'ai oublié. Oh, la mémoire, elle est. J'allais dire, t'avais dans moi, je suis un fils de pute, je les aurais tués tous les deux. Mais moi, je pensais pas à deux que faut tuer. C'est qui? C'est des trous du cul, genre. Ouais, mais non, mais je vais t'expliquer. T'inquiète. Eh, mon plan, il est tout réfléchi. Tu vas rester avec moi. Le deux vannes et tout, c'est compliqué quand même. Non, tranquille, tu vas avec les autres. Eh, frère, t'as fait de la D, je te le dis. On va régler cette histoire, toi et moi. Mais maintenant, ils ont tué un gars de chez nous. On va tuer un gars de chez eux. J'étais obligé. Ils ont mal parlé de toi, j'étais obligé. Ouais, ils ont peut-être ils ont mal parlé de moi, mais tu tires pas sur un chef quand t'es un soldat, espèce d'inconscient. Va. C'est lui, il m'a dit qu'on s'en tire dessus. Oui, mais t'aurais. Ouais, mais ok, tu me défends dans les paroles. Mais il dit, viens, on va dehors, on tire dessus. Tu crois que t'es. Tu vas pas faire comme Jamie et quitte quand même, tu vas pas me tuer alors que je t'ai défendu. Je vais tuer, je suis Sully. Ta mère, ouais, non, mais. Non, mais vas-y, reste avec eux là, reste avec l'autre équipe. Moi je reste avec eux. Il y a une échelle qui monte. Ah, mais l'échelle elle est où? Ok, allez, ouais, je vois, elle est où? Ok, vas-y. Il y en a une à droite, une à gauche de. Tu vois, de la boule. Nous on va à la droite, je pense, comme ça c'est derrière. Ouais, de la boule là, ouais. Eh, Smoke, je te laisse gérer le plan, man. Vous faites pas baiser-les. C'est là, je vous le dis, s'ils en chopent un de vous, c'est. C'est fini, ouais. Ouais, donc vraiment, je vous laisse bien gérer le plan. Le jet ski est là-bas. J'attends votre call. Attendez, Il faut full watch. Juste, je vous prends le Rebla rouge. Attends, donnez-moi les clés du Rebla rouge. Donnez-moi les clés du Rebla rouge. Quoi, Smoke, comme voiture? Prenez. Y a pas de voiture là. Attendez. Allô. Prenez le Rebla noir et la moto là. Et prenez notre voiture si y a besoin. Vas-y, vos grosses dents. Trippy Zaza, bougez. Mais on va où? Allez avec les autres. Ah les gars, ils sont occupés de vos armes ou pas? Tu vas avec eux? Vous avez pas d'armes? Non, on était pas armés, nous.
Non, on était sur le plein côté de la route, on a eu une dinguerie et voilà. On a eu un problème avec notre voiture et c'est tout, voilà. Comme notre manque de temps. Non, mais j'ai dit, y'a rien. Y'a rien. Smoke Dog, viens. Ouais, quoi. Une seconde, hein. C'est ce qu'il a disparu, là. Faut de la peine, non. Comment ça, il a disparu? Qu'est-ce qu'il y a en bas? Y'a plus. Comment ça s'appelle? S'il y a plus de jet ski, appelle Barry, t'inquiète. Tu vas prendre 7? Tu vas prendre 7? Je prends Stain, moi. Stain, ouais. Ouais. Et vous tous, allez-y, je te laisse gérer le truc, man, je te fais confiance. Allez, gars, venez tous. Zaza, demi-tour slide. Avant que je m'énerve. Tu vas remplir ça et tu me le ramènes ce soir. Dégage, on t'a dit, dégage. Hey, 13. Ça y est. Ouais, du coup, les man, comme je vous l'ai dit, juste. Moi, je comprends, je vous comprends, juste, c'est facile de. De lâcher un gros crachat sur notre visage et ensuite dire on veut la paix, y'a plus rien. Ça. Non, surtout qu'en fait, je suis d'accord. En fait, la différence, c'est que vous, malheureusement, c'est ça qui me fait chier de vous avoir, vous. Vous avez l'air conscient. Tu vois ce que je veux dire? Vous avez l'air conscient que ça rime à rien, qu'il faut calmer les choses. Et c'est ça qui m'emmerde, c'est de me dire que vous êtes pas des mecs cons. Mais bon, les gars, malheureusement, vous connaissez, hein, c'est le fruit du hasard si on vous a chopé, vous, et si. Non, mais je suis entièrement d'accord. Mais après, comme je disais à Thermano. Essaye de la discussion, je peux t'assurer que vraiment on n'est pas du tout sur vos côtes ou quoi que ce soit. Je sais ce qui s'est passé. Ouais. D'après ce que j'ai compris, c'était soit vous, soit nous. Le truc, c'est que on aurait été dans la même situation si jamais vous nous avez attrapé le soir même. Vous avez attrapé le soir même, vous aurez canné quelqu'un. Derrière, si derrière on vous a attrapé 15 jours à la polée, on aurait canné quelqu'un pour se venger. C'est pareil, on est bien d'accord, c'est le chat qui se mord la queue. Mais man, Ezekiel. Autant appeler, tu dis que t'as deux la mano en face de toi, que t'es pas la fan dinguerie. Ezekiel. Et tu mets des cartes sur table. Je vais servir, mais t'inquiète pas. Là, en fait, si je fais tout ça, t'inquiète pas, je suis pas con. Tu sais très bien. Non, mais je sais très bien. Toi, comme moi, on essaye de calmer les choses, mais déjà, de 1, j'ai besoin de défouler ma haine sur quelqu'un. Parce que moi aussi, man, c'est quelqu'un à qui je tenais énormément. Déjà, de 1. De 2, toi, t'as l'air assez conscient pour te dire que tout ça, ça rime à rien. Donc, c'est pour ça, profite du fait que tu vas survivre pour raisonner Netto. Lui dire que ouais. Ça va être compliqué. Je sais, mais moi, mes gars, ils arriveraient pas à me raisonner. Mais. Là, je te le dis, man, profites-en pour essayer de raisonner Netto. Parce que je te le dis, man, si vous tuez encore un mec de chez nous, on retuera un mec de chez vous. Tu vois ce que je veux dire? C'est. Mais justement, pourquoi je surenchéris dès maintenant? Parce que, man, en fait, malheureusement, et je sais que c'est encore une fois de la chance ou de la malchance, mais vous avez tué la mauvaise personne. Tu vois? Là, Zaza, demain, vous le chopez, vous le tuez. La vérité, c'est quoi? C'est que, bah. Ça n'arrivera pas. Ce qui s'est passé. Mais je vais pas te montrer que ça, c'est les histoires de petits. Parce qu'ils ont. C'est pas une histoire de petits, il a tiré sur un chef quand même. Mais tu vois, demain tu chopes Zaza, tu le tues. Derrière, il s'est fait abattre, point final. Tu vois, c'était la vie parce qu'il a fait de la merde. Mais moi aussi, les gars, c'est un petit innocent, un petit gars bien. Et c'est ça qui me fait chier. Allo? Ouais, 7. Oui. Dis-moi, ils sont sur la pause ou pas? C'est après la mort de ton gars. Ils sont quoi? Sur la pause ou pas? Non, mais dès que tout est prêt de votre côté, j'appelle Biquet, je lui dis ouais. Vas-y, bah on est prêt. On est prêt, donc tu peux l'appeler. Vas-y. Mettez-vous vraiment bien prêt que tout le monde soit corda, c'est bon? Bah vas-y, laisse-moi 2 minutes, je te rappelle dès que t'inquiète, je suis t'inquiète, prêt. Prends ton temps, moi je m'en fous. Vas-y. On va dire une semaine, 15 jours à la polée, et pareil, on canne quelqu'un juste pour se venger. Ah, mais je vais dire un truc. C'est vrai qu'il a raison, hein. Il a 100% raison et moi je dis là le même. Voilà. Tu peux pas nous dire maintenant. Voilà. Hello. Allô. Attends, je te rappelle après. Attends, c'est urgent. Oui, dis-moi vite. J'ai ton cobaye là. Ah, ok. Je te recontacte alors, parce que là, je dois faire un rendez-vous. Essaye de faire très très vite, s'il te plaît, Jeff. Ok. Attendez.
une dette de sang, d'accord. Il n'a même pas voulu payer entièreté de... Putain, c'est l'histoire, mais moi, je vais pas te mentir, je sais même pas c'est quoi l'histoire. Sur table, vraiment. Donc, vraiment, là, si ce qu'il veut, je pense, ce qu'il veut, et surtout, nous, dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui... Si vous voulez tant sa rédemption, man, il aurait pas commencé à négocier le prix d'enterrement de Mossim dès le départ. Je t'assure. Peut-être juste cette. Appelez, normalement c'est ok. Tout est bon ou pas? Tout est bon. La bécane elle est bonne ou pas? Enfin, elle est bien placée ou pas? Je vous fais confiance. Okay, c'est bon, bon. Je fais confiance, Smoke. Moi je vais être avec Jeff donc je vais pas pouvoir vous aider. Hein. Non, t'inquiète. On va gérer. Vas-y, je l'appelle. Ah ouais, c'est vrai, il y a des trucs du SWAT aussi, j'ai oublié. En fait, là, il se passe trop de trucs à la fois. Je vous arrange, là, bien sûr. Les gars, pas de mon ressort. On va pas pour prendre 40 ans de votre temps, là. Ce qu'on va faire, Ezekiel, c'est que... Toi, t'es une tête forte ou pas au sein du set? T'es un petit? Ah, je suis un petit comme Dodos, quoi. Il y a que tous des petits. Hein. Non, il n'y a pas de gradé, mis à part. Non, il y a juste Neto. Neto qui gère le cachet. Ok. Bah écoute, continue à réfléchir comme ça. T'as peut-être de l'avenir, man. Tu vois, t'es pas comme ces autres latinos qui sont un peu cons et qui pensent qu'avec leur couille et leur ego. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais je suis d'accord. Que ne change pas. Dans tous les cas, nous, je te le dis, on va essayer de trouver une solution. S'il n'y a pas de solution, malheureusement, ton gars, tu peux désormais lui dire au revoir. Je vous laisse vous checker. Faites ça avec du respect et vas-y, on va vous séparer. Oublie. Eh, moins de blabla, plus de câlins. Fais tes lacets, man, s'il te plaît. Eh, mais t'as sucé ma tenue, là. J'ai depuis peur de celle-là. Ouais, c'est 100% ma tenue, frérot. Je suis pas un bon photo. Eh, bon anniv, Scarties, minuit. Bon anif tes grosses dents là. Oh non, j'étais en train de prendre des 13 en otage, j'ai vu Raisin débarquer torse nu, j'ai envie de crier. Wesh. Tu sais que tu m'as fait trop peur parce que je suis tout le temps habitué à ce qu'il y ait personne. D'un coup j'ai vu un bug passer, j'ai eu trop peur. C'est bon les man. Vas-y, repas, viens avec moi, Stain, si tu veux faire quelque chose à Ezekiel pour moi aussi, c'est ce que tu veux. Dans la limite. Dose, espèce d'enculé. Pas zazan, enfoiré. Eh hey, Ezekiel, je pose ton téléphone vers là-bas, là, vers la sortie, au sol. Allez, t'es blessé, man. Ouais, mais tranquille. T'es arrivé quoi? Vas-y, c'est les gangsters de cette ville. Ah là là. T'as déjà tué quelqu'un toi? Hein? T'as déjà tué quelqu'un toi? Pas totalement. Ah ouais? C'est dans un sale état, mais. Genre t'as shoot un mec. J'ai survécu ce bâtard. Et t'as quel âge? 17. Ah là là, c'est triste hein. C'est tristement réel. Malheureusement, on passe tous par là, non? Vas-y, tu peux escalader, c'est bon. Je vais foutre son téléphone ici. Vas-y, rentre dans le réblin. Allô. Hello. Oui. Vous pouvez me ramener le cobaye à la mairie? Où? On se rejoint là où on s'est rejoint tout à l'heure, c'est bon? C'est où? C'est rejoint tout à l'heure, là où il y a le feu là? Enfin, là où le... Ok. Il y a le bateau. Vas-y. Allô. Tu le laisses sur place ou j'en fais quoi? Ouais, tu l'as tabassé. Ouais. Ouais, laisse-le sur place, j'ai posé son téléphone plus loin. Vas-y, viens, dépêche-toi. Vas-y. On bouge. Eh man, on est sur tous les terrains en même temps. Stain, garde-le 2 secondes. Vas-y. Allô, je te rappelle dans 2 minutes. Je te rappelle dans 2 minutes. Ah, vas-y. Ouais, bah, IG. Attendez, hein, juste un appel à passer en... T'as la ref? Si t'as la ref, t'as peut-être 1% de chance de pas mourir. La rêve du gilet là. Petit gilet de.
explorateur du Mozambique. Ah, tu veux pas donner un F? Ça peut t'aider la probabilité que tu meurs pas, man. Bah, c'est aussi le mais vas-y, j'ai la flemme de le demander, vas-y, dis-moi. Ouais, le gilet noir, là. Attends. Ma conduite, elle est... Elle shoot. Attends, parce qu'apparemment, il y a des camions du SWAT autour. Skip, même t'es garé, Smoke. Tu te fais contrôler. Dis-moi, c'est... Apparemment, il y a des camions du SWAT, là, qui tournent autour du quartier. Il y a des descentes dans tous les quartiers, donc faites attention. Ouais. Vas-y. Il percute ou pas? Je sais pas. Je te tiens au courant. Vas-y. Ouais, y'a Kari. On avait dit pas de flics. Non, mais vous inquiétez pas, si qu'un seul flic, c'est ma sécu. Masquez-vous si vous le souhaitez. Ouais, comme ma man, tu te fous de ma gueule là. T'es fan de cette maison. Comment ça, ma sécurité? Yo, hey, man, on va aller juste nous sur le bateau, c'est bon. Je suis maire de Liberty, je suis maire de Liberty. Mais man, tu crois qu'on va tuer? Dis-leur de rester là, il va rien t'arriver sur le bateau. Ok, mais alors c'est que toi et moi qui montons avec lui. Vas-y. Ok. 42. Restez ici, restez. Robin. Ah, mais ils sont plusieurs en plus. Ouais. T'as vu, j'ai un couteau là, j'ai pas envie de l'utiliser sur toi devant ce mec. Ça va être simple. S'il te demande si t'es consentant pour tester ce gaz, si tu dis non, man, je vais devoir te mettre 30 coups de couteau devant lui et 30 coups de couteau à lui aussi. Tu veux pas que j'utilise ma force pour si peu? Parce que, man, je te le dis, Robin. Si le gaz, apparemment il est pas nocif. Si tu meurs pas du gaz, on va essayer de trouver une solution. Je vais te dire la vérité, tu vois, ce qui se passe dans la rue, c'est dans la rue. Mais par contre, gouvernement, là, c'est pas pareil, là. Eh, je sais bien, Ropa, mais dis-toi que là, t'as une chance, je te laisse une chance de t'en sortir. C'est-à-dire que si le gaz, il te tue pas, moi, j'ai mes papiers, tout le monde est content et on trouvera une solution avec Netto. Si le gaz, il te tue, c'est la vie, mais normalement, moi, il m'a certifié qu'il n'y avait pas de problème. Donc, man, je te conseille de bien réfléchir, parce que si tu dis non devant lui et que tu me fais passer pour un con, je vais être obligé de faire le travail moi-même devant eux, et là tu peux être sûr que tu seras mort. T'as capté? Ouais. Réfléchis bien, Robin. En gros, la mort ou la mort, quoi. Non. Tu peux y échapper, Robin. Je t'assure. Prie ce que tu peux prier, en tout cas. Ouais. On y va. Non mais... Sexe. Vas-y, ouais, on y va. C'est allez-y, bon. Allons-y, descendons. Descendons, vas-y, viens. Ah non, que nous deux, hein. Ouais, Stein reste ici, tranquille, les flics, ils vont rien faire. Tu me vois avec un plateau à la main? Ouais. Surveillez bien, je compte sur vous, les agents. Il va rien se passer, les gars. Je suis avec mon petit frère, c'est un gars. Ne vous inquiétez pas, oui. J'avais attendu ce jour depuis des années. Vous savez quoi? Vous aurez carrément une prime pour l'axe. Ça va être stylé, frère. Ça, la scène, elle va être stylée. Je vous donnerai $500. $500, ça vous va? Ouais, $500. Moi, je veux surtout ma carte de séjour, man. Ah non, pas pour vous, pour le cobaye. Quoi? Et oui, ta carte de séjour, tu l'auras, bien sûr. Je suis obligé de te la donner. Ouais, tu l'auras, $500 si tu veux, vas-y. Vas-y, passe devant. Te noie pas. Stylé l'animation. Vas-y, avance. Eh, hey, attends. Là, je mets mon couteau sur ton ventre là. Pas de conneries, t'as compris? Écoute, je suis pas con là, j'ai une occasion de m'en sortir, je vais la saisir. Mais bon. Saisis cette occasion, Robin. Tu la quittes si tu veux. Avec ce raciste là. L'Amérique, tu la quittes si tu l'aimes pas. L'Amérique, tu la quittes si tu l'aimes pas. Ça fait longtemps que j'ai pas conduit de bateau. Est-ce que tu t'as jamais conduit un bateau? Non, jamais, pourquoi? Ah, tu devrais essayer, c'est une superbe sensation. Bien.
Oulala, pourquoi tu me sors un couteau là? Rien, j'avais une couture qui dépassait mon pull. Oulala, ouh, attention, ouais, moi je veux. Bon. Qu'est-ce qu'il y a? Si tu veux, je peux avoir Doll là, elle est devant moi. Ouais, prends. Vas-y, je prends. Vas-y. Bon, c'est quoi la prochaine étape, man? C'est moi, man? Ouais, c'est toi, man. Enfin, c'est tout le monde, genre, c'est what? Ok, alors, bonjour, comment t'appelles-tu, cobaye? Je m'appelle Jamal. Bonjour, Jamal. Salam alaikum. Ouais. Voilà, tu vois, hyper ouvert d'esprit. Aujourd'hui, tu vas accomplir une mission citoyenne. Pour l'Amérique, tu vas tester un gaz. Le gaz kéké. Alors, ne t'en fais pas, normalement, il n'y a aucun risque sur les êtres humains. Dak-dak? Ouais. Donc, ne stresse pas, tout va bien se passer. Si tu es là, c'est que tu es consentant, on est bien d'accord? Oui, totalement. Et c'est parfait, j'ai juste besoin que tu me signes cette charge qui prouve que tu es consentant, du coup. Ça va. Avec ton nom, ton prénom. Voilà. Et nous allons descendre par la suite. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Tu ne risques rien. Ouais. Allez, vous venez, on descend sur le quai. Vas-y, Jamal. De l'autre côté. Ah ouais. Ah, il est fatigant, ce mec. Il est fou, man. Il est fou, ce mec. C'est où le quai là? C'est derrière ou devant? C'est. Venez, descendez là. Venez là où je suis là. Il me casse les couilles de la terre. Voilà, mais tiens, mets-toi au bout du quai, s'il te plaît. C'est parfait. Attends, mais hey, man, t'as pas peur qu'il y ait des gens qui nous voient là? Les promeneurs là, statue de la liberté. Non, t'inquiète pas. Ouais, on va faire ça derrière. Ouais. T'es plus intelligent que je le pensais. Parce que j'ai... De toute façon, il y a... Hey man, il y a pas de douille, hein. Attends. Moi, je te donne pas mon cobaye tant que t'as pas juré sur le drapeau de l'Amérique que j'aurai ma carte de séjour. Mais je te jure sur le drapeau d'Amérique que tu auras ta carte de séjour. Tu jures sur la vie de ma mère? Sur la vie de Grace. Ok, j'y crois. Hey man, pas de douille. Hey, 2 mois. 2 mois? 2 mois. 1 mois et demi. 2 mois. Je t'ai pas emmené n'importe qui, man. 2 mois. Parfait. C'est ton petit frère? Ouais, c'est mon petit frère. Est-ce que tu veux appeler ta maman ou ton papa ou quelque chose? Au cas où ça se passe mal. Ouais, je veux bien, ouais. Bah, vas-y, appelle, hein. Voilà. Tiens, j'ai gardé son téléphone. Mais son attention, frère, interdiction vu que c'est secret d'état. Tu as interdiction de dire où tu es et avec qui tu es. Ouais, ça marche, y'a pas de soucis. Interdiction de dire à maman avec qui tu es ou où tu es, hein. Y'a non, pas de Jamal. Problème. Je le jure. Vas-y, passe ton coup de tel là. Ouais, tonton? Fais pas de conneries, je colle pas avec toi. Allô, tonton, tu m'entends? Parlez plus fort, s'il vous plaît. Ouais, je peux pas te dire où je suis. Écoute, moi, ce que je voulais dire, c'est que si ce soir tu me revois pas au quartier, bah, sache que mine de rien, même si des fois je trouvais que t'étais un parfait connard, bah, je t'aime, tu vois. Et que, bah, voilà. Si jamais il vient m'arriver malheur, juste regarde pas ce qu'il y a sous mon lit, parce que, bah, c'est pas ce que tu crois, voilà. Tu commences à en dire trop là. C'est pas. Oh, je dois te laisser. Je dois te laisser. Buenas tardes et que la Santa Maria te protège. Tiens. C'est quoi la suite là, Jeff? La suite. Lui, je l'aime bien en fait. J'ai joué avec lui. Dites-vous, lui, ce mec là, Ropa, je jouais avec lui en RP en 2017, frère. On se connaît depuis grave longtemps en fait. Je savais pas c'était qui, mais je viens de capter. Quoi? Bon, je t'explique. Il y a 3% de chances que tu t'en sortes en vie. Normalement, ça a été étudié. Quoi? Oui. Dans les règles, je dois lui dire tout ce qui est pris en risque. 3% de chances que tu en sortes en vie. Si tu ne t'en sors pas en vie, tu risques d'avoir de sacrés symptômes comme la langue verte et l'incapacité de parler pendant un moment.
Puis après, il y aura des grosses séquelles psychologiques, tu n'arriveras plus à parler. C'est trop un bon joueur, je l'aime bien. Bon, tu es toujours d'accord ? Ouais. Tu dis au revoir à ton tonton, du coup. Je l'essaye, mais ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Attends. Oh, repas. Ouais. C'est tombé sur toi, ça aurait pu tomber sur n'importe lequel d'entre vous. Tout ça, c'est pour moi aussi, man. Et c'est aussi pour que je puisse rester en liberté. Bon courage, repas. Jamal. Ouais. As-tu une dernière volonté au cas où ça risque d'aller mal, mais normalement, ça va bien se passer. Ouais, slash me le gaz tue. Mon vivant. Oui, t'inquiète pas, tu seras toujours le même après, on n'est pas dans... Eh, hey, je veux dire, ça me saoule, hey, en fait, ça me saoule de m'en répéter des joueurs que j'aime bien, en plus. Bon, après, même des joueurs que, tu vois, en vrai, y a pas des joueurs que... Tu vois, y a des joueurs que je connais pas, là. Là, en vrai, lui, je sais, il est trop fort, frère. J'espère que je vais avoir des super pouvoirs stylés. Tu vois, lui, c'est le mec, genre, tu l'as dans ton groupe, c'est un petit peu, ou un gradé, genre, c'est... Allez, bon, tu es prêt? Bah, si jamais je meurs, je vais voir Pop Smoke. 3... 2, 1, je dégoupille. Pour moi aussi, man. Pour moi aussi. Alors, est-ce que ça marche? Allez, pour la science, pour l'Amérique, allez. Oh, ça a l'air de marcher, je l'entends. Ça a l'air de marcher. Oh putain. C'était incroyable! Wesh! Incroyable! Yo! Oh, repas! Oh merde! Oh! Non. Tu te fous de ma gueule là, Jeff! Repas! Oh! Oh putain! Oh, repas! Tu te fous de ma gueule là! Oh putain de merde! Y'a des caméras sur ce bateau? Non, absolument pas! Repas! Oh putain de merde! J'espère qu'il a encore envie le. Oh, réveille-toi, putain! Oh, Jamal! C'était ton expérience, moi. J'y suis pour rien là-dedans, là. T'es un ouf ou quoi? En plus, y'a des flics à la sortie, tu veux qu'on se fasse baiser ou quoi? Oh, putain de merde. C'est toi qui me l'as donné, le petit, hein. C'est toi qui me l'as donné, toi, t'es responsable. Moi, j'ai tout signé, moi. Je l'ai dit dans tout ce que j'ai fait. Par contre, c'est toi qui me l'as donné, le cobaye. C'est toi qui en es responsable. Je m'en bats les couilles, hey, oh, que tu crois que je savais ton gaz, il y avait 3% de chance de survie? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Moi j'ai pas envie de finir mes jours en tôle, ça c'était pour ton expérience, moi j'ai rien demandé. Jamal. Oh Jamal, repas, réveille-toi. Reza il me voit en train de me mettre des baffes, il doit se dire ouais. Chacha. Oh putain de merde. Oh. Et on fait comment maintenant? On peut pas le ramener. Bien sûr qu'on peut pas le ramener, y'a des flics qui nous attendent sur le bord. C'est pour ça que je t'ai dit de venir sans flic, espèce de con. Espèce de con, tu vas commencer à me respecter s'il te plaît. Déjà, écoute-moi bien, déjà, peu importe ce qui vient de se passer, j'aurai ma carte de séjour, t'as compris? Bah absolument pas, absolument quoi pas. Comment ça absolument pas? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Tu m'as ramené un inapt. Mais en fait toi tu veux que je mette un coup de couteau dans lui et un coup de couteau dans toi, comme ça vos sangs et vos ADN ils sont mélangés et t'es impliqué au meurtre en fait, c'est ça l'histoire. Comment ça absolument pas, tu te fous de ma gueule ou quoi? Si tu me tues là, t'es dans la merde, d'accord? Donc range ton couteau, y'a des flics comme tu dis. Et là on est dans la merde pour ça là, pour ça. Et on fait comment? On fait comment? J'étais à la mer, on fait quoi? Mais moi je suis le maire, moi dans tous les cas je suis éligible hein. Mais quoi? Mais c'est toi tu m'as emmené ici, c'est toi tu l'as buté. Eh moi j'ai rien à perdre à moi, ramène-moi au bord, je vais leur dire aux flics que c'est toi qui as fait ça. T'es ouf ou quoi? Yo je vais finir mes jours en prison espèce d'enculé, moi je voulais juste une carte de séjour. Tout ça c'est à cause de toi en plus à la base des bases. Tu veux m'exclure, on sait même pas pourquoi frère. Attends, laisse-moi réfléchir. Oh, repas, vas-y, réveille-toi, putain de merde. Il s'appelle Jamal. Plus, je le savais, c'était sûr, fils de pute. Il s'appelle Jamal, d'accord. Attends, putain, comment j'ai pu échapper à ce détail. Scotty. Quoi? C'est pas ton frère. Bien sûr que non, c'est pas mon frère, c'est un mec d'un gang ennemi, espèce d'enculé, va. Oh, nom de Dieu. Oh putain, tu te rends pas compte de ce que tu viens de me mettre dans la merde, toi. Oh putain, mais ça attends, veut dire mais t'es à l'hôpital qui se fout de la charité. T'es venu à mon quartier me chercher avec le SWAT, me dire on va t'exclure du pays. Pourquoi tu fais ça? Et toi, pourquoi tu me mens comme ça? C'est dit me ramener un combat consentant, il était pas consentant, il a menti depuis le début.
J'avais pas le choix, tu crois que j'allais ramener un mec de mon quartier? Tu crois que je veux un mec de mon quartier, il meurt? Regarde, résultat, si on avait testé sur moi, ça aurait été comment? Putain, t'es complètement con, toi, t'es complètement con! Et c'est toi, t'es con, tu veux m'exclure! Écoute, là, je suis dans la grosse merde, oh putain! Eh ben, tu crois que je suis pas dans la grosse merde, moi, espèce d'enculé, à cause de toi? Tout va bien. Quoi? En vrai, là, quand j'y pense, toutes les scènes que ça va donner. On va passer par ça. Oh, toutes les scènes que ça va donner. Oui, 42. Attends, oui, je te rappelle. Il y a une couille, là. C'est la famille. Une couille. Ok, nous, on fait chemin retour. Écoute, Scotty, prends ça. Sors. Quoi? Tu veux qu'on fasse comment? Ils vont nous voir revenir à deux alors qu'on était trois. On va trouver un leurre. Tiens, tac. Accroche-le à son pied. Ah, il n'y a pas trop les muscles, moi je suis un peu... Ouais, vas-y. On va le jeter à l'eau. Mais... Ils vont nous voir revenir à deux alors qu'on était trois. Il s'est échappé en nageant? Il s'est échappé en nageant. Elle a été un droit, lui l'a dit qu'il rentrait à Los Santos. À la nage. Non, meilleure idée. Il s'est échappé à la nage, il est parti sur l'île de la Statue de la Liberté parce que il est parti en courant. Une fois dessus. Appelle les flics en panique, dis putain il s'est échappé. Il est parti sur le truc de l'île de la Statue de la Liberté. Parce que lui non plus n'avait pas de papier et que t'as voulu le renvoyer. C'est trop risqué, les flics vont commencer à mener une enquête, ils sont plus malins que ça. Surtout mais que dans tous les cas, ils vont mener une enquête, t'es con ou quoi, toi? C'est ça si votre problème, vous connaissez rien à la rue, vous avez rien compris, vous. Évidemment qu'il va mener une enquête. Écoute. Je vais chercher des algues. Écoute, on va le noyer au plus profond de la mer, il sera introuvable. On aura quelques mois, les requins ils vont venir, ils vont le bouffer. Ça marche comme ça. D'accord, mais comment tu expliques le fait qu'on revient au bord de l'eau à deux au lieu de trois? On dit qu'il a tenté de se barrer. Qu'il a tenté de fuir, et voilà, c'est tout. Et que tu m'as sauvé la vie parce qu'il me braquait. Vas-y. Ok, ça marche. Eh, mais attends. Si on marche comme ça, là, ça reste entre toi et moi, cette histoire. Et tu crois que... Yo, c'est moi qui l'ai ramené ici, tu crois que j'ai envie de finir en tôle? Bien sûr que ça reste entre toi et moi. Culé, va. Le jure-le sur la tête de Grace. Je mets pas Grace dans mes histoires. T'es complètement con, hein. Sur la vie de mon grand frère, Malcolm. Sur la vie de ton grand frère que tu détestes. Tu détestes tout le monde dans ta vie, arrête de jurer sur je tes proches. Je ne détestais pas mon grand frère, je l'aime, je vais encore sur sa tombe tous les jours. Oui, c'est ça, gros menteur. Gros menteur, c'est ça que j'ai envie d'appeler. Les gens comme toi, ils aiment personne et personne les aime. Yo, c'est pas le moment de commencer à me reprocher des trucs, espèce d'enculé là. Déjà, si on est là, c'est à cause de toi. Je suis pas un enculé. C'est toi l'enculé. T'es pas un enculé, toi. T'es pas un enculé, toi. Moi, j'ai pas envoyé ma mère à l'hosto, moi. Et ben, moi, j'ai pas envoyé des mecs qui ont rien demandé dans leur pays, crever la dalle dans la guerre. Alors qu'ils sont chacun aux États-Unis. On a chacun nos torts, ok? Me provoque pas. On a chacun nos torts. Et toi, comme je t'ai dit, ton tort, moi, j'ai jamais fait souffrir ma mère, toi, tu fais souffrir ta mère. Tu crois que j'ai choisi d'être dans la rue, espèce d'enculé, va. Tu crois que c'est facile, toi? Bah ouais, c'est facile. Bref, hey, on perd du temps, vas-y, oui. Fous-le à l'eau. Jette-le à l'eau, il est attaché, il coulera jusqu'au bout. Putain. Enculé, putain. Bien son âme. T'as dit quoi? Ouais. Attends, mais là, j'ai de la musique épique, là, ça fait... Il coule. Putain, il flotte. Comment je fais? Comment on fait? Il coule, t'inquiète pas, il va finir par couler. J'ai mis une mancrie qui va aller couler. Attends, file-moi des pierres, je vais mettre des pierres dans ses poches. File-moi des pierres, il y a forcément des pierres dans ce bateau. Oui, bah oui, non mais j'ai mis une corde à hameçon, il va aller vers le sol. Attends, je vais lui rajouter des pierres dans les poches. J'arrive.
meurs pas. Scotty. Arrive à revenir. C'est bon, j'arrive. C'est bon, j'ai mis des pierres dans les poches, il va couler cet enfoiré. Attends, avant de remonter là, je tiens l'échelle, non. Qu'est-ce que tu fais? Attends, avant de remonter. Fais en mode tu remontes. Il m'a dit fais en mode tu remontes. Mais vas-y, lâche cette échelle, qu'est-ce que tu veux? Scotty. Quoi? Je vais te baiser. Quoi? Je vais te laisser mourir ici aussi. Tu te fous de ma gueule, mais hey, tu crois que je sais pas nager, espèce de bâtard? Bah, lâche cette échelle, parce que la vie de ma mère, que si tu revis, prends je vais te faire le cul. Prends ma main, reviens. Culé, va. Vite, putain. Eh, mais au nom, la scène qu'on vient de. Là, je sais pas si vous vous rendez compte de la taille de la scène là. Là, toutes les scènes que ça va donner aux 13 et à notre groupe, est-ce qu'ils vont être, sûrs que c'est nous qui l'avons tué? Plante-moi un couteau dans l'épaule. Quoi? Plante-moi le couteau dans l'épaule. Ils vont savoir que c'est le mien, tu sens dessus. Plante-moi, oui, mais on dirait que c'est lui qui t'a volé le couteau. Et ben avec plaisir, espèce d'enculé. Ah. Aïe, enculé. Avec plaisir, espèce d'enculé, bien sûr qu'avec plaisir. Vas-y, maintenant tu prends les pneus, tu conduis et tu nous ramènes jusqu'à là-bas. Vas-y, je conduis. Ouais, allô, Lexi. Ah. Parce que là, en fait. Non, mais non, en fait c'est ça, en fait Idater et moi on est trop fusionnels en RP, ça veut dire t'as vu? Ah putain, y'a une personne qui a tenté de me niquer. Il est venu là avec son idée de gaz truc. Oh non, j'ai une idée de fou, oui, frère, ça va donner trop de RP. Et même en vrai je pense la scène, non, le mec il a dû la kiffer à mon avis. Ouais, y'a plus besoin. Ouais là les flics et tout. Parce que du coup en fait on est. Il venait me menacer d'arrêter de mettre le code rouge. Là, en gros, dites-vous que... Oui, mais j'ai redit, je vous baise. Là, on a tous les deux fait un meurtre. Ça veut dire on est impliqué dans un truc, ça veut dire on a tous les deux un truc contre l'autre, donc on peut plus se menacer. C'est incroyable, j'ai juré, c'est incroyable. Il est lent, ce je vous jure que... Là, tu crois ton bateau de clochard, là. Oui, mais c'est le plus stylé pour faire des trucs, quand même. Ouais, ça... Oh non, cette scène, frère, comme on, a improvisé une scène de zinzin, frère, je suis choqué. Moi, je balancerai pas le secret. Et tiens, je te l'ai promis, prends ta carte de séjour. Parfait. Mais Kylie, tu l'aimes vraiment ou pas? Sois honnête avec moi, sur ta carte de séjour. Non, je l'aime pas, frère, je veux juste les papiers. Peut-être que je finirai bien par te les donner, ces papiers. Ah, bon, j'espère bien. Merci KDAVID pour ton quatrième mois. Force, mon frère, force. Scotty. Je crois que je me suis trompé. N'oublie pas la version qu'on a dit. Oui, je te le Tu sais très bien ce que je sais, je sais très bien ce que tu sais. Je veux pas qu'on finisse en tôle tous les deux, et tu sais très bien qu'il y aura l'avantage en tôle entre toi et moi. J'ai des gars qui sont en tôle, j'ai mon second quartier là-bas. Je te baiserai pas. Ce que tu dis, ça. Putain, mais c'est incontrôlable cette merde! En vrai, là, je pense, après, je sais pas comment ils vont le prendre, les 13. Même si c'est une mort RP en tant que vengeance, en vrai, c'est pas dingue, tu vois, mais... Je trouve que là, les potentielles scènes qui arrivent, là, où ils vont choper un mec de chez nous, et le mec de chez nous va dire que c'est le gouvernement qui l'a tué, comment ça s'est passé... En fait, quand ils vont savoir la vérité, ils vont vouloir se venger au gouvernement, ça va être incroyable. Et ils vont vouloir se venger à nous, enfin, ça va donner que des scènes où on va... La finalité, c'est peut-être même que Jeff ou moi, on se fasse buter, tu vois, genre... Putain! Il s'est passé une dinguerie, là. Mais il est mort, ouais. Je t'expliquerai. On a eu chaud. Voilà, Mifgi. Ça va, Don, tu vas bien. Voilà, mes champions. Venez, les champions. Ouais, t'as connu mes champions. Vas-y, les gars, s'il vous plaît, faites pas mes bacs, laissez-moi les parler. Vas-y, sur le téco. Viens. Ça se passe comment, Chex? C'est compliqué. Là, on vient de faire les enterrements, mais bon. Pas étonné de me revoir. Un peu, quoi. Regarde. Regarde mon visage. Vous avez vu ce que vous m'avez fait, bande d'enculés?
Vous avez vu ce que vous m'avez fait. Je me reconnais même plus quand je me regarde dans une glace. Même mes gars, quand je suis revenu au quartier, m'ont pris pour un parfait inconnu. La vérité, Doll, c'est que... C'est peut-être pas toi qui dois payer, mais... Il y a des gens qui vont devoir payer pour toi. Enfin, pour les... Pour Malcolm, pour tout ce qui s'est passé. Et de toute façon, vous portez tous la même couleur. Vous levez tous le même drapeau. Donc la vérité, c'est quoi? C'est que... Il va falloir qu'on fasse les choses bien, non? Tu penses pas? Dis-moi ce que tu veux. Les choses bien, c'est... Qu'est-ce que j'entends par les choses bien? C'est que... C'est pas l'innocent qui doit payer, c'est le coupable. Qui a donné le call de me tirer dessus? Parce qu'apparemment, on m'aurait tiré dessus. Hein. Les médecins m'ont dit que j'ai été retrouvé avec des balles dans le corps, dans la tête même. C'est des grandes chez moi, je... Question claire, réponse concise, s'il te plaît, Don. C'est Duchesne, c'est qui? C'est Ja, c'est PK. Qui a donné l'ordre? Qui T'as de la chance. Franchement, t'as de la chance que je m'en souvienne pas. Mais la vérité, c'est qu'il faut arracher chacun de tes yeux, chacun de tes ongles, chacun de tes dents pour avoir la réponse, je l'aurai. Je veux juste savoir, Dol, si tu veux que ta vie soit sauvée, tu sais très bien que t'es grand. C'est pas une évidence, c'est pas parce que tu me donnes l'info que je vais les tuer comme ça, un claquement de doigts. Tu sais très bien qu'ils sont malins, ils seraient pas là s'ils ne l'étaient pas. Dis-le-moi, Don, dis-le-moi. Tu veux pas parler? Billy. La responsabilité de mes grands, c'est la responsabilité de tout mon quartier. Ah ouais. Ouvre le sac, s'il te plaît. Tu réponds pas à la question, Don. J'en sais. Ouvre-le, t'inquiète, prends-le. J'ai assez. J'ai même pas la force de le tenir, ce gros truc. Regarde, t'imagines avant. Imagine avant, je levais des AK-47 contre vous, j'ai même plus la force dans les bras pour la tenir sans trébucher. La fatigue. La fatigue, t'imagines, j'ai même pas 20 ans. La honte. C'est grave, hein. Vous l'avez fini. Avec tous vos problèmes. Dol, juste, est-ce que c'est Duchesne qui a fait ça? Non. Il était pas là. C'est Ja, c'est BK. Bizarre, c'est vite répondu, ça. On retrouve plus de réponses. Putain. Je sais que ça te fait chier, mais écoute, si tu coopères bien, tu sais très bien qu'on parlera pas. N'est-ce pas? Autour. N'est-ce pas? Ah, y'a ouais. Pas de problème. C'est pas une question de connu, une affirmation. Si elle vous dit des infos, personne ne fait sortir ça d'ici. Évidemment. Putain, sa mère, je peux pas crever. Non. Tu trahis donc personne, Don. Tu trahis personne, tu le sais très bien. C'est la responsabilité de tes grands, ils sont censés assumer ce qu'ils ont fait. Écoute, je vais te laisser réfléchir parce que ça n'a pas l'air très clair dans tes idées. Smoke Dog Stain, venez. Les gars, j'ai une idée. Du bon. BK voulait me voir au cimetière. Ouais. Pas besoin de faire de plan cette fois-ci. Je vais devant la tombe avec l'un de vous deux. Avec Doll, on va la rhabiller, on va lui mettre un long manteau, qu'elle paraisse comme si c'était un homme, tu vois. Il va arriver, il va me parler, il va tenter de me braquer. S'il me braque, dans tous les cas, je vais être armé. Je vais prendre un mec armé avec moi. Et dans tous les cas, on aura Dol. Donc même s'il nous braque, ils pourront rien faire. Vous serez là en backup. C'est bon. Crois-moi que je serai là. En vrai, laisse-moi venir avec toi aussi. Vas-y, il me faut un mec armé. Mais vas-y, oui, tu vas venir. Tu vas t'asseoir sur un banc avec Stain derrière. Je vais rester avec Dol devant. On va parler. Quoi? Je te vois là, tu veux pas que je vienne ou quoi? C'est comment? C'est un bon coup. Ah non, BK, c'est bon, vous êtes ok pour ça. Le plan? Qui t'a dit que fils des putes? Non, man. Vous êtes ok ou pas? Allo? On serait toi et moi, on baisse tout le monde. Vas-y, viens, ce galoche. Ouais, je vous m'entendais pas ou quoi, bande de fils de pute? Ouais, attends. Oh, s'il te plaît, la vie, elle m'a tellement fané le crâne, j'ai vraiment envie de lui mettre un coup de pression. Qu'est-ce qu'elle t'a fané le crâne? Elle a dit deux phrases. Qu'est-ce qui t'arrive, mais, toi? Mais elle m'a braqué 45 000 fois. Je m'en bats les couilles, elle t'a braqué. C'est la rue, c'est son métier, frère. T'es con, quoi? Mais ça, c'est ton histoire, ça. C'est ton histoire. Non, elle est en train de coopérer. Commence pas à me faire nerveux ici. Elle t'a fait chier. Non, mais écoute-le, c'est. J'ai parlé comme ça. Ferme ta gueule. Vas-y. Écoute, tout le monde dit ça. Donc, ça y est, si on se met à foutre la haine aux gens, ils vont nous foutre la haine en retour. C'est pas foutre la haine, juste j'ai pas envie que ça prenne 8 ans pour juste nous sortir Mickey ou Jack en blast, c'est tout.
On le sait tous, il y a deux possibilités. Dans tous les cas, les taux se resserrent, il n'y a qu'un des deux. Donc, dans tous les cas, voilà, alors autant. Et là, dans tous les cas, c'est Biquet qui vient me voir, donc je te dis quoi. Si c'est pas Biquet, ben. Sans déjà Biquet, c'est la même merde. C'est la même finalité de toute façon. Ouais, c'est exactement là ce que je pense. Bref, vous êtes ok pour le plan ou pas? 7. Ouais, c'est bon. H-Block tout seul aux Hot Bitches, ils ont fait un rendez-vous. Et en mode, t'as vu, c'est le petit monde du mot. Ah non, on peut pas, okay, non, on peut pas jouer toi en même c'est temps. C'est ça, toi. J'ai dit la même chose. J'ai dit, ouais, là, c'est mort. Ouais, réfléchis. On est débordé. Elle a besoin de concentration. La réflexion est longue, là, et ça se dit entre deux blagues. Fermez-la, arrêtez. Dol, c'est comment? T'as réfléchi à ma proposition ou pas? Je peux te dire la personne qui t'a tiré dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est celui qui a pris la décision. Je sais très bien, dans la vie, que c'est pas toujours celui qui appuie sur la gâchette qui est le meurtrier. Celui donc on est au courant de ça déjà, il nous l'a dit. Ok, moi c'est vrai que la réalité des choses, c'est que celui qui l'a commandité depuis le début, c'est Malcolm. Mais je veux savoir, sur le moment même, qui a commandité tout ça, qui a pris la décision. Parce que tu sais très bien, toi, demain, si t'as un gun sur ma tempe et que ton OG il te dit de tirer, tu vas tirer. Mais le vrai meurtrier, c'est qui? C'est ton OG. Parce que c'est lui qui t'a dit de le faire. Donc je veux savoir la vérité. Écoute, si c'est un sbire qui m'a tiré dessus, je m'en bats les couilles. Je veux juste savoir qui. On a l'ordre de tout. Malcolm a donné l'ordre. Duchesne a donné l'ordre. Et les plus grands ont exécuté les ordres. C'est une décision générale. C'est ça. T'es plus maligne que ce que je pensais. Ok. C'est le tour du pot. Ça marche, vas-y. Bah, on va faire ce qu'on doit aller faire. Dol, viens avec moi, Smoke, Stain. Les autres veulent aller dans les voitures. Vas-y les gars, dans les voitures, soyez prêts à l'affût. Enfin, limite, Smoke, prends ta voiture avec un gars. Vas-y. Et Billy, viens avec moi. Ah, il est trop loin, j'ai entendu. Ah, c'est... Ça résonne ici, ouais. Billy, viens avec moi. Billy Jean. J'espère que t'es armé ou pas? Mais non, frère, j'ai rien. Billy, toi tu veux une augmentation de salaire aujourd'hui? T'as dit quoi? C'est un nouveau? Je vais demander de te vouvoyer. C'est un nouveau qui a chopé 3-13 et un crit. Allez, écoute, c'est de la merde. Stylé. Echo! C'est un pote à Diar. C'est un pote à Diar, Dozro et tout. Ils se connaissent depuis bien longtemps apparemment. Apparemment, ils ont fait plusieurs groupes ensemble. Pour que ça doit fonctionner bien. Prends ta voiture, Smoke. Vas-y, Smoke, viens, on prend la voiture. Vas-y. Vas-y, Dol, viens. Et je pense que Dol, t'es au courant que. Je suis quelqu'un qui essaye de voir un peu plus loin. Ouais, il est cool. On va à un magasin de vêtements, nous. Ouais. Attends, Smoke, viens. Fais l'équipe pour le plan que je t'ai dit, Smoke, s'il te plaît. Tu fais les équipes et tu les postiches armés près du truc. Et... Ça tire à l'auto. C'est vrai que la soirée elle est pas mal là. La soirée se passe comme prévu. Mais en vrai, vous savez que ce soir j'avais prévu de taper personne ce soir. Quand je me suis call là ce soir, je voulais faire quoi? Je voulais faire rendez-vous 13, 18, H-Block, genre juste la parlotte. Au final, bah on a mis des mois RP. Mais... Tu connais, hein, c'est. Il t'en a une? C'est le RP quoi. Il y a des trucs qui non. se prévoient, enfin qui se font sans que tu te prévois. Hein. C'est toujours comme ça. Allô. Ouais, Seth, je suis devant la tombe de Malcolm, t'es où? T'es sûr que t'es devant la bonne là, parce que j'y suis là aussi. Bon, là, t'es vers où? T'es à laquelle? À gauche là, au fond à gauche du cimetière. Regarde, là, je viens de rentrer au fond à gauche. Ouais, je te vois, on l'a enterré.
On l'a enterré là-bas, c'est tranquille, j'arrive. Rien de la mauvaise tombe depuis des années. Ah mais non, je suis trop con, c'est la tombe de Keisha, ça. Ah, c'est pas grave. Hein. Et bon, les gars. Ouais, Biquet. Bien ou quoi? Ouais, tranquillement, tranquillement. Tu connais, hein, j'ai ramené des gars du quartier, ils veulent en savoir plus, toujours, hein, sur ce qui s'est passé. Bah, c'est très simple, je pense que t'as pu leur dire. On avait... J'avais des questions à te poser. Au moment de te tirer dans la tête, avec Char, on s'est dit la même chose. C'est pas notre bif. T'as vu, t'as un bif avec Duchesne, certes, Crips, Blood. On a un passif. Moi, je voulais mes réponses avant tout pour Malcolm, t'as vu. T'as pas pris tes réponses, là, t'es pas tiré dessus. T'as pas essayé de prendre tes réponses, t'as essayé de prendre ma vie. Ah, c'est là la nuance. Sauf qu'il y a une différence, c'est quoi? C'est qu'on te l'a pas prise. On te l'a pas prise, on a tiré dans le mur, comme on s'est dit. Tu vois, on a tiré dans le mur. Quoi, est-ce que t'es en train de me prendre pour un con, espèce d'enculé? Je crois vraiment que tous ces jours-là où j'étais cloué au lit, que j'étais à l'hôpital, que j'étais à droite, à gauche, je crois vraiment que... Vraiment que je vais y croire, yo, man. Essaye pas de me faire croire que c'est quelqu'un d'autre qui m'a fait ça. Moi, je te le dis, ce qui s'est passé, tu peux même demander, parce que je te dis la vérité. On a ramené les mecs des docks. Tu peux leur demander, on a tiré à côté de ta tête. Je te dis la vérité, je te regarde dans les yeux, je te le dis. J'avais envie de te tirer dessus. Mais c'est pas notre bif. Tu vois, c'est pas notre bif, Maïdji. Comme on a dit, voilà. Qui a donné l'ordre de tout ça, là? Qui... Ça part de quoi, cette merde? Ça part, je te dis la vérité. Tu vois, on a un bif quoi qu'il arrive. On a un bif quoi qu'il arrive. Et c'est, ça date pas d'aujourd'hui. C'est, voilà, par rapport à Malcolm, par rapport à tout ça. Et c'est moi qui ai donné l'ordre de te choper. Pourquoi? Parce que on avait une mission sous 24 heures. Quoi? De te pécho et de te fumer. Sauf que voilà, on t'a pas fumé. T'as essayé de me fumer. T'as pas fait tout ça. BK, si je suis là aujourd'hui, c'est juste parce que je suis un Brixton et que... Je sais pas, je suis béni, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai eu de la chance. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, si tout s'était passé comme tu l'avais voulu, comme tu l'avais commandité avec ton ami Jean, aujourd'hui, je serais où? Je serais là-dedans, à côté d'eux, là. Comme un con. Oreo. Ouais, si tu le dis. En tout cas... T'as une bonne étoile, dis-toi ça, si aujourd'hui t'as encore envie, c'est que t'as une bonne étoile. Mais tu sais, BK, là, aujourd'hui... Qu'est-ce qui m'empêche de... Qu'est-ce qui m'empêche de pas partir en couille et de tout baiser? Et de tous vous buter, tous vous... Un par un, jusqu'au dernier. Toute la vérité, je te regarde dans les yeux. On est dans une guerre, tu vois. On est dans une guerre. Et c'est réel. T'as toutes les raisons du monde de le faire. T'as toutes les raisons. Comme je t'ai dit, moi je te regarde dans les yeux et je te le dis clairement. Mes réponses, je les ai eues. Si aujourd'hui t'es pas mort, Maïdji, je te le dis. C'est que mon bif de mon côté, personnel avec toi, j'en ai plus. Maintenant, qu'on soit clair, je sais qu'il y a un bif et il est acté avec Duchesne. C'est pour ça que moi je te dis la vérité de notre côté. On vous calculait plus trop. On vous calculait plus trop tout ça. On attend juste le retour de Shane. T'aurais eu une discussion avec lui. Moi maintenant, je te dis la vérité, Shane. Je te dis la vérité, pardon, Seth. Après ce qui s'est passé avec toi, quand on t'a pris, tes petits gars, ils sont venus nous shoot, d'accord? Je sais bien. Ils sont venus nous shoot, et à cause d'eux, on a perdu nos mœurs. Tu vois? Je sais bien, c'est la vie. Et je sais très bien que... Ils viennent pas, ils sont pas venus shoot pour le plaisir. Eux-mêmes, ils ont pris des balles, eux-mêmes, ils ont été blessés. Mais c'est la vie. Mickey, tu t'es attaqué à moi. D'accord. Tu peux t'attaquer à n'importe qui, mais pas à moi. Et ça, je pense que... On est tous d'accord.
On est tous d'accord sur ça. Maintenant, il va falloir trouver un moyen de rebondir, Biquet. Parce que je te le dis. Là, tout de suite, je pense que je suis impuissant et que je vais peut-être passer à autre chose. Mais là, j'ai qu'une envie, c'est de me venger amèrement. Là, j'ai qu'une envie, c'est vrai. C'est toi, déjà, tous, comme j'ai fait à César, comme j'ai fait aux autres. J'ai envie de vous anéantir. Et ouais, t'as bien entendu, ouais. J'ai bien dit comme j'ai fait à César. T'inquiète pas, je l'ai su. Je l'ai su. Parce que tu m'as dit de pas aller à l'hôpital, mais sauf qu'à l'hôpital, il y a eu une autopsie. Et on m'a clairement dit qu'il a été empoisonné. Tu veux tout savoir, mot pour mot. Et ouais, Biquet. Maintenant, je te le dis. J'ai essayé d'utiliser maintenant que j'ai appris ça. Tu l'as bien utilisé. Aujourd'hui, regarde, il est où. On l'a enterré là-bas. T'as eu ce que tu voulais. Non, je te le dis, t'as vu, il y a peut-être des jizz ou quoi que ce soit. Mais qu'on soit clair, c'est, t'as vu, tu peux les prendre comme tu veux les mots que je vais te dire. Pour les armes qu'on a du père, qu'on soit clair et net, on les a perdues de la faute de tes jizz. Et mon gars, je te dis la vérité, on est peut-être en sous-nombre ce que tu veux. Mais les armes, je vais les récupérer. Soit tes gars. Okay, mais tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Attends que tes gars, comme des grands garçons, assument leurs erreurs. Et ramène leur pétard, qu'on soit clair. Tu sais bien qu'on se laissera pas faire et tu sais bien que si je veux mettre un point final à cette histoire, tout de suite je suis en mesure de le faire. Parce que ouais, même s'il y a mon père pas loin là-bas, là, au fond de cette allée, il y a Keisha, il y a Malcolm, il y a même vos gars, il y a même des gars à moi ici dans le cimetière. J'hésiterai pas à sortir une arme ici, BK, et à faire ce que j'ai à faire, tu vois. Du coup, il va vraiment falloir qu'on trouve une solution. Et surtout que... Je me suis assuré que personne allait venir avec toi. N'est-ce pas, Dol? N'est-ce pas, Dol, ouais. On sait jamais si t'arrivais en équipe, au moins j'étais protégé. Sache un truc, si je te demande un rendez-vous, toi et moi... Moi, j'ai une parole. Si je te dis un rendez-vous, c'est toi. Tu me l'as déjà fait, celle-là, tu me l'as déjà fait. La dernière fois que tu es venu pour cet habitant, tu m'as promis qu'on devait faire cette discussion, nous deux. J'ai fini apparemment contre un mur. C'est avec qui c'est tu parlais dans une flotte de sang. Au début, avec je parlais, parlais avec toi. Avec nous, après, j'ai parlé avec John. Ouais, mais à la base, moi, j'ai parlé je te avec dis toi droit dans les yeux. Tu te souviens? Je te dis droit dans les yeux, regarde. Je te dis droit dans les yeux. Si moi j'ai une parole, si je te dis un rendez-vous 1 et 1, c'est vraiment rendez-vous 1 et 1. Je suis pas une petite salope, moi. Si je dis un truc, je l'assume. Tant c'est pour ça que j'avais même dit que le kin. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi ce que tu veux et je te dis si c'est possible. Tu sais très bien que je suis pas du genre 100% méfiant tout le temps. Si tu me proposes un rendez-vous tout seul, je viendrai tout seul. Malheureusement, de ces cas Liberty City, on peut faire confiance à personne. Mais il va falloir qu'on trouve une solution. Moi, tu sais très bien, BK, que ce qui m'intéresse, et ça va te faire mal de l'entendre. Ce qui m'intéresse, c'est Shane. Vous le savez pas encore, mais j'ai tué que des OG dans ma vie. Et c'est ce à quoi j'aspire. Être meilleur qu'un OG, tu vois. Et toutes les personnes, les gâtils et tout ça. Évidemment que j'y suis pour quelque chose, mais c'est pas moi. C'est pas moi qui ai appuyé sur la gâchette. Même si c'est moi qui l'ai ordonné. J'ai tué que des OG et... Duchesne, il m'intéresse. Duchesne, c'est un problème. Duchesne... Il y a sa sœur juste derrière moi qui est morte. Et c'était la femme de moi, c'était la femme que j'aimais. Mais malheureusement... Il y a des choses qui n'ont pas fonctionné avec Duchesne. Il a fait des choses qui me concernent. Qui le concerne également, que je peux pas pardonner. Donc Biquet, qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Tu veux que tout ça continue et que quand Duchesne y revienne, vous soyez plus là? Toi, Ja et toute la clique. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux vraiment t'investir dans ce genre de guerre? Parce que tu sais très bien, Biquet, que là, à l'heure où je te parle, tout de suite, maintenant, j'ai les cartes en main pour te faire ce que je veux. Mais je suis intelligent. Moi, je vais pas tuer des personnes innocentes. Moi, derrière tout ça, je sais très bien que c'est Malcolm et Duchesne qui veulent m'amorcer. C'est pas forcément vous à la base. Je veux tuer les coupables, comme j'ai dit à Dol. C'est vrai qu'il a un. Regarde ce que je vais te proposer, c'est simple. En fait, il a un comme t'as dit, t'as les cartes en main. T'es avec tes jeans, t'es peut-être broliqué, je sais pas. Tu peux faire ce que tu veux de moi pour le moment. Moi, ce que je te propose, c'est très simple. C'est quoi qu'il arrive, comme je t'ai dit, le bif, c'est entre les deux OG de nos quartiers, entre toi et entre Shane. Je dis clairement, Shane va revenir. Pourquoi vous en êtes mêlé? Parce que justement, c'est une mission qu'on nous a donnée, comme je te le répète. À partir du moment où on me demande de gérer mon quartier, qu'on me propose des milliers des cents, je te le dis clairement, Seth. On peut me proposer de tuer le président, je le ferai. On m'a proposé de grosses sommes, de grosses armes, je le fais.
Je sais que, vous êtes des cramés, j'en doute pas. Hein. Toi qui me disais que on vous pissait dessus, etc. Je pense pas du tout la même chose que toi. Maintenant, la vérité, c'est quoi? C'est que là, tu t'es mêlé de cette histoire. Et t'as essayé d'atteindre à ma vie. Et là, si je n'écoutais que mon cœur et que j'écoutais pas mon quartier, et que j'étais là vraiment pour mes vengeances personnelles, je te jure que tu serais déjà au fond d'une tombe, là, tout de suite. Mais, Biquet, moi, c'est soit tu me laisses me charger de Duchesne quand il va revenir, en temps et en heure, soit on continue de s'investir dans cette guerre inutile et bête qui te fait perdre des manes. Comme m'a dit Dol, vous avez déjà enterré certaines personnes tout à l'heure. Si tu veux que ça continue, effectivement, ça continuera certainement de mon côté aussi. Si tu veux arrêter de perdre des G's bêtement, et me laisser m'occuper de mes affaires quand il en sera temps. Reviens à la raison. C'est tout ce que j'ai à dire. Clairement, je te le dis, la réponse est la même. C'est votre bif à vous deux. D'accord, alors certes, je suis intervenu, c'est votre bif. Maintenant, je vais pas te mentir, tu vois, je suis un mec, je mens pas. Si j'essaye de toucher à Shane, ça reste mon gars de fou. Bien ça sûr, reste mon frère. Je m'attends pas à ce que tu me laisses faire. Je te laisserai pas faire. Maintenant, clairement, pour le moment, comme je t'ai dit, si on vous a pas calculé là pendant les 2-3 derniers jours, c'est que justement il y a Shane qui devait venir s'en occuper, qui devait venir te parler. Malheureusement il est pas venu. Bon, c'est malheureux. Et d'ici les prochains jours il sera là, il vous réglera votre histoire, comme je t'ai dit. On va faire comme ça alors. Écoute, au moins j'ai eu les réponses à mes questions. Oh, t'as eu les tiennes concernant César. On a plus rien à se dire alors, Biquet. On a plus rien à se dire. Ah si, attends. Bien. Tu viens de faire fils de pute, hein. Tu viens de faire fils de pute, là. On y va, les gars. On saute, toi, Biquet. Attends, je vais lui voler. Il y a la voiture à droite. Rien à faire, toi. Je vais mourir de soif, ma gueule. Il démarre. C'est trop chiant après. C'est trop chiant après une scène comme ça de boiter comme un trou de balle. T'es bien jaune en tout cas, le crachat.